جو. بسم الله السلام عليكم. معكم عماد بي لاموري كومونتاتور دون سواري في الجزائر ومعايا حسام. يس حسام اي كي اي جيتبول. مرحبا بكم الدراري. بونسوار. مرحبا لي ماروكان لي الجزائريين لي تونيزيان وجميع الناس اللي راحوا يشوفوا اللايف سو سوار. بون لا سيتواسيون الي ان تي بو كلير باسكو يا يو ديجا ان تشالنج من قبل et اليوم سي لا دوزيام اديسيون تاع لو تشالنج. J'étais pas là la saison, enfin l'édition dernière, donc bizutage derrière. Yom découverte de have the challenge et ça va être toujours Maroc versus Algérie et il y aura 4 joueurs l'Algérie et 4 joueurs Maroc. Et l'objectif principal n'est pas qui est le pays le plus fort ou là, c'est beaucoup plus un challenge. Je voulais vraiment insister pour prendre à le point. Parce que mais ça là où j'ai des guerres, même bien les joueurs, même bien les pays. Au contraire, c'est l'objectif, c'est pourquoi ou le haba ou pourquoi ou tenir le challenge, même bien les deux pays. Donc je pense qu'on est d'accord sur ça, Hossam, n'est-ce pas? Oui, on est d'accord à 100%. Oui, c'est vrai. C'est du fun, mais c'est du e-sport, tenir. Il y a un challenge, c'est très important l'irbah, c'est très important l'irsat parce que l'irsat rahit alim, l'irbah rahit alim. On va tous être gagnants dans l'affaire. Donc on a encore comme la liste, t'as les joueurs algériens, qui est le capitaine, the commander, Lyoum, Houa Idriss, Tarfo, c'est le, il a réalisé le meilleur score du challenge de Saber. Colin, c'est le personnage Tao, main character, parce que là, on va en parler une bague de différents personnages. Le deuxième challenger, c'est Aridoun. Aridoun, on le connaît tous avec son Rashid, Lashido. Rashid, et bien évidemment, on a KX, qui est le plus grand, parce qu'il était le champion orange expérience, fait Tunis, en 2019, et bien évidemment, avec son personnage Kami. Mais en face, on a un mirror match de Mehmet, avec une barre de tête qui est à la lutte patriote. Et le quatrième joueur, c'est le tournoi qualificatif, le qualifier à l'Algérie. C'est un joueur, le main est Akuma, Bouki, c'est Shin SDK. Alors, c'est un joueur, c'est un joueur, qui s'est qualifié, le tournoi qualificatif, le qualifier of Algeria. C'était il y a quelques jours, une semaine, Donc voilà, Hamlik le line-up, c'est les 4 joueurs, les 4 participants, Rahini, Mithlou, Zahir, Idriss, Aridoun, KX et Shin SDK. Il est quelqu'un trop seul. Ah, très bonne équipe. Donc d'abord, on passe à l'équipe marocaine, les challengers marocains. Donc le capitaine a changé. Donc Ben Raito, c'est le commandant de l'équipe. Ben Raito, Daniel Tarifa et les Algériens et les Marocains, vous connaissez bien. C'est un joueur Kami. Donc son perso main c'est Kami. Tu as inversé. Oui, j'ai Mika. Donc son perso c'est Kami, Marouf Kami Houa, un joueur Kami vraiment féroce. Son deuxième perso, Badikoun Karine. Alors passons au teaser. Donc teaser pour Cheikh Arfo. Donc c'est un son main c'est Bizan et il va jouer, il va prendre son perso secondaire J. Il y a Ejdo, Akuma, bien sûr. Son deuxième perso c'est Abou Bakr el-Maghribi, Abigail, comme on dit en Maghreb. Dark Sword, malheureusement, le défi ou l'anima n'a pas vraiment imposé sa valeur, mais durant la qualification, il s'est imposé. Ou bien, non, vraiment, c'est un joueur qui mérite. Donc, il a gagné la qualification. Aoudar Jalik et Biro, Dark Sword, qui est classé deuxième, on va dire, en Alliance, contre Kaïs Génocide. Andou Karim, le main Diallo, les Arnaud. Et son deuxième perso c'est Kage. Ok. Line-up, je sais pas, Mouzian, tout ce que tu veux. Le mouchkil, Tana, c'est que justement, il faut qu'on explique the rule set, les règles par rapport à la première session, par rapport à la première édition de challenge. Avant, c'était des FT1. Ok, il y a bzaf les joueurs, que ce soit les joueurs, les participants ou là, les spectateurs, qu'on mouchkil ou menhad le. C'est stressant. Quand c'est un FT1, c'est stressant parce que Malik Schlort downloader le match-up, downloader l'adversaire, downloader le match, tout simplement. Donc, on a pour l'instant had la règle, had the rule. Je pense que c'est elle qui va faire évoluer un petit peu la chose. C'est des FT2. Ça va être des FT2 pour au moins Mishti Ounash par rapport au match Mazamed Khlouchfeh, Mazel, ils ne sont pas adaptés au gameplay. Exactement. Elle dit déjà, had la lira mettre en live, les mettre sur Twitch.
c'est vraiment une règle les mêmes qui m'ont comme les spectateurs ils sur limite ils ont réclamé et ce serait bien de connaître jouer à FT2 donc ça c'est fait d'un côté allez me dire. Oui, oui, Kutsmak, ou presque Kutsmak. Ah, ça s'est coupé. Ça s'est coupé un moment ou d'abord le chat, Garouli, ben, son mal. Avec Chili, les canf, le premier event, c'est bon. On va voir coupe de temps à autre. T'as mal la volée voilà. Qui me dit. Le voice carrying sometimes. Ouais, donc il faut voir avec la régie qu'est-ce qui se passe et comment on peut faire pour résoudre le problème. Sinon, ça va, là, c'est prêt, alhamdoulilah. Mais sinon, on est ensemble, donc on s'entend très bien. Mais le stream, je crois que ma voix coupe. Ça, c'est pas bien. On va voir avec la régie. Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est les deux, la voix directe, la voix taïd ou la... Drerif chat, wesh, ghir sawt dial kitqta ou la sawt dial Imad taw? La voix ne se coupe pas. Diana Bjouj. Ben là, ça dépend de la connexion des utilisateurs. Mais... Bah écoute, là, ça coupe pas chez nous. C'est dommage. Ah oui. Ok. Donc, qui est le 4-3-2 qui est le 4-3-2 je ne sais pas pourquoi. Sad. Bon. Mais là, si ça se coupe pas, on continue. J'espère que ça sera dû à la connexion. Déjà, Kif Magalaï, le premier événement, le deuxième, c'est d'abord un match first to two. Ça va donner l'occasion aux joueurs de bien lire son adversaire ou de revenir à n'importe quel moment. À l'encontre du premier événement, quand FT1, quand ça est joué pour les joueurs, parce qu'un seul match, tu ne peux pas lire et vaincre l'adversaire. Surtout que c'est online. Il y a déjà la connexion que tu dois gérer. D'abord, le mouchkil, voilà, il y a l'online, donc connexion, c'est qu'on a un lag, donc ça ne donne pas vraiment. La possibilité de continuer de jouer comme il faut. Ou d'abord, moi, un autre match FT2, ça va alléger un petit peu le stress des joueurs. Et on verra comment ça va se passer aujourd'hui. Je suis sûr et certain que les matchs radicaux sont très, 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 très chauds. Vu les deux équipes sont vraiment magnifiques. Très solides. Très solides. Tu t'ennuies pas. Vraiment une expérience. Qui donne... En plus, tu apprends beaucoup de choses. Même les gens qui regardent. Donc, voilà, il y a une autre. C'est ça. Même les spectateurs, ils vont apprendre. Donc, il y a une autre règle. La dernière fois, quand the winning team, il faut 20 matchs gagnés. Doka, non, c'est 12. C'est la première équipe qui consomme 12. Match 7 parce que voilà une équipe FT2 c'est considéré comme un point donc l'équipe Loul a été sur 12 points dit que l'équipe elle va gagner le challenge donc on va je pense déjà que ça va être moins long que le challenge précédent Liu Makash Ramdan c'est Makash Sour ou l'Absa donc donc je vous dis mais voilà Hadi c'est donc qui m'a pour comme FT2 et the winning team il y a l'oula dit au sol 12 points et mal à la classe Ardouane pas d'un peu de bête donc j'attends l'invitation pour une troll full lounge j'aimerais bien que préciser un autre point qui fait partie du règlement interne c'est le mode resurrection les knash knaf premier événement donc déjà, chaque perso a le droit à 3 vies, donc 3 défaites. Une fois à dire Marat, c'est fini pour lui, à moins que un membre de l'équipe Diallo active le mode résurrection, où il peut lui donner une vie supplémentaire. Mais Hada, c'est possible une seule fois le défi Kamel. Il y a les deux équipes, une seule résurrection. Chili Kaïf. Exactement, l'événement Kamel, la séance Kamel. Donc, Hadi, about the resurrection. Ok, Tani, un autre point, c'est que une fois dans le match, une fois dans toute la partie, ils peuvent y banner un personnage. C'est-à-dire que Doka Zama Hussam, Raoui Lab Maya, Majbush le personnage Tay. Il faut qu'il banne. Comme ça, je vais le contrer. Eh ben, exemple. Gatarfou, par exemple, Freezer, il a bison, et forcément, à un moment donné, il a scrum le bison Tao. Eh ben, Aridoni, il faut qu'il banne bison. Eh ben, pendant un match,
Freezer ne peut pas jouer Bison et à ce moment-là, il devra prendre son personnage secondaire. Oui, c'est vrai, voilà. On dirait que la Bison, on a un démo qui est Bison, on dit que je te bats Bison, comme ça tu seras obligé de jouer avec ton deuxième personnage. Ah, ça le verra. Voilà, amis, j'ai reçu une invitation de contrôle du salon. C'est bon, on est près du salon. Parfait, great. Voilà, donc je trouve que je m'accueille une rule, je dis par rapport à la dernière fois. Voilà, donc qui m'a la dernière fois tanné, each player can only use two different characters. Et le commander, même si je voulais l'immobile, le commander de l'équipe de l'Algérie, c'est Idriss. C'est lui le commander de la partie. Parce que le dernier challenge, Wal, il avait réalisé le meilleur score. Il a fait 8 matchs, il a managé 8 ou 9 matchs. Donc c'est lui qui a gagné le droit d'être. Voilà. Exactement. Donc alors, je sais pas, c'est le premier match ou là, c'est juste un match test? On a dit qu'on a un test pour tester un petit peu la connexion, puis je suppose qu'il y a peut-être, là, peut-être. En tout cas, Rana Chopoubli, c'est Shin SDK, Gohado SDK, et en face de lui, Adna Venraito, Venraito Gail, donc je ne pense pas que c'est son personnage principal. Voilà, donc non, c'est un test. Un match de, d'application, le test pour le lag, parce qu'ils avaient dit que dans la session, la Hidero, un test pour voir le lag. Exactement. Je crois même qu'il y aura un changement au niveau des persos secondaires des joueurs. Je crois par exemple voilà, l'équipe marocaine, je crois que Dark Sword au lieu de chez la Bkage ou qu'elle a dit la Bken et Freezer ou Idriss. Idriss que je serai là. Vas-y, Hussein, vas-y. Je crois Freezer soit radi kemmel BG soit radi la Brio, je ne sais pas, mais réellement radi la BG. Je crois. Réellement radi la BG. Je crois qu'il y a un changement. En tout cas voilà. Idriss avec Idriss, elle a blé. Voilà, mais justement, elle a Zeku instead of Gil. Parce que c'était Gil, secondary character Tao, où il a choisi Zeku. Zeku, quand à chaque fois qu'il coule un tournoi, il a Zeku, la Sakura. Mais je pense qu'il a vu, selon le match-up, t'as les personnages. Surtout par rapport à Ando en face, qui est Kami. Qui est des personnages du Molfi Lam, qui est Akuma, Ajudo. Qui est Abigail, qui est un filabon Yorochi, la dernière fois qu'il est le quatrième jour. Exactement, Yorochi. Donc, les personnages qu'il connaît, c'est des personnages qu'il connaît. Welakin, justement, avec Camille, plutôt avec Colin, Belek a créé une nouvelle. Avec Zeku, une nouvelle situation avec les adversaires Tao, parce que Zeku, t'as surtout avec la nouvelle saison, il y a eu quand même pas mal de changements. Quand même de changements, oui. Un autre match-up qui est un peu dur, c'est le match-up Karim. Je crois que la dernière fois, je n'ai pas eu. Non, mais c'est la dernière fois. Oui, le premier événement qu'elle a induit chez Mouchkil. Surtout ma cam. Donc voilà, je crois que voilà, il a décidé de faire entrer Zeku. Mais c'est un contre-pic pour aller des matchs. Donc, parce que c'est vraiment un contre-pic. Parce que Gil, on est vraiment pas loin de l'esprit Pauline. Surtout même moi, il a un petit peu le même style, même si c'est un personnage en charge. Plutôt qu'il m'a Urien, dans le style, hein, là, vraiment dans le style. Style Urien, ouais. Voilà, dans la mécanique du personnage. Mais je pense que Idriss, il va créer un changement, il va créer une différence dans les matchs de Kano. Trero, fidèle à sa Dulcine, fidèle à sa Camille. Une fois qu'il est à la Malaisie, le tournoi CPT, il a dit avant de partir, Rani Khaif, mirror match. Tah, mirror match, Camille. L'Ixer contre lui, le tournoi, c'était un Camille qualifié de Singapour. Et je pense que Hadi Khaldatou, il essaie au maximum d'affronter la crainte. Comme on dit, ce qui ne te tue pas te rend encore plus fort. Pour l'instant, ça le tue, mais Inch'Allah, ça va le rendre plus fort. Inch'Allah. Voilà, tu sais très bien, Ahmed, que le match-up le plus complexe, un jeu de combat, je parle de Street Fighter, c'est le mirror match. Dis-moi qui compte. Mirror match qui compte très, très complexe. Ça, c'est vrai. Bon, Anna Choufou, je sais pas, Anna Rani Chouf, Beli Aridou, on aura 5 barres. Naam, Ardouane. Anna Chouf, les commentateurs de sport. Naam, Zamir Ardouane, naam. Très bien. Perfect. اللي هضرنا لكم عليها من قبل مع حسام حنديروا ان درو باش نعرفوا شكون لا تيم اللي حتبدا شكون اللي حتبدا البيك شكون اللي حتبدا لو جيم تو سامبلومون
Donc le tirage au sort, est-ce que c'est l'Algérie, est-ce que c'est le Maroc qui va choisir, qui va commencer? Alors comme je ne sais pas ce que tu vois le line-up, il y a Chine SDK, KX Genocide, Aridoun, Climax H2, Adouma les joueurs qui pour l'instant dans le salon, Vian Raito Tane, et l'objectif principal, bon, tu as le gold avec les Raouf la liste, donc le gold avec Anna. Maranich est un pro player, un joueur occasionnel. Walakin, je vous disais, l'objectif principal c'est que il coule de bons matchs, les matchs Shabin, les matchs ont la qualité. Ou surtout, nous t'allumons منهم. Huma y t'allumons منهم, nous t'allumons t'allumons منهم que Mohibi joue les jeux de combat, Street Fighter en particulier. Personnellement, t'allumons bzzz soit les match-up, les challenges de que ce soit les FT10, mais bien Aridoun et Dark Sword par exemple, avec le challenge. Hussam, la coupe 9-9, Zira, Final Round. Final Round, حنا نقولوا طلع السكر انتوما واش تقولوا الملحه انتوما كتقولوا طلع السكر حنا كنقولوا الملحه لا طونسيون لا طونسيون كيما قالوا لا طونسيون كانت الملحه بزاف هذاك الماتش هذاك الديفي كانت الملحه مي سيتي فريمون سيتي تري شو يعني كان واحد الماتش فيه ماتش في الاخر ماتش فيه فهمتي غادي داكشي ايغاليتي تشوفوا سي ماشي ضرب لي 5 0 ولا شي حاجه داكشي كان غادي بواحد 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 باش عرف لي جوغ كانوا فريمون تري تري افونسي اون تيرم تكنيك كانوا بجوج مواعرين Je crois le match-up Karine Rachid, je sais pas, 5-5, 4-8, 5, 4-8, 6, je sais pas. Ntqarbin, je crois que Ntqarbin au moins. Même, je trouve, enfin, je sais pas, c'est une impression personnelle, je trouve que Mehdi Dark Sword, il a évolué depuis quelques mois. Oui. Je trouve qu'il est très solide. Shift Bzap, les Wish Punish, vraiment, c'est des trucs en ligne, c'est pas toujours facile à faire, mais des Wish Punish d'Aram, plusieurs fois. Alors que online, trafou justement les chouïa, delay, chouïa, lag, chouïa, etc. J'ai vu pas mal de whiff punish dans Karim Tao, ce qui est super intéressant. Bon, je vais descendre la description de. On a dit toi, parce que je gourme t'carbin, mais je suis ego, t'carbin, ça veut dire ouais, fait l'achor chez chouïa. Et je crois que c'est. C'est ça. Even, pratiquement even. Bon, even. Ouais, on commence. بصح في صالون في صالون كما كما شكون كاين في صالون مانيش شفت لي جوغ الجيريان داكور تري بيان اوكي هاي بارفي بارفي بون رضوان راهو ما بين تويتش وما بين ديسكورد ما بين ستريت فايتر اون تو سويت بون كوراج فريزر باسكو سي ديفيسيل واحد يجيري كلش اون ميم طون Focus sur ya sur le game, avec on a de très 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 bons matchs, inshallah. Et bon courage à toute l'équipe marocaine, ou bien sûr bon courage. Ouah, mais la page c'est ma bzaf neutre pour toute l'équipe de l'Algérie. Donc voilà, d'abord il y a le tirage au sort. Chine SDK, هو الأول. Chine SDK, le Akuma player by DZ. Parfait, ça va me donner l'occasion de voir son jeu parce que ma mère est chaud. C'est ça. J'ai pas encore eu la chance de voir son jeu, d'avoir des chauffes. ياك ما غادي يطيح مع جدو لوي اوسي سي ان جو ايماجين اكوما غيكون واحد ميرور ماتش سسبنس راني ديجا حسيت سسبنس اسكو حيطيح مع جدو جور سا فيتر لو سسبنس داخل السسبنس غادي يكون سسبنس لا ندير لهم شي سسبنس فويس تشينجر ولا شي لعبه او ماي جاد هاك اسمع هاك فريزر از ذا وان انت عندك فويس تشينجر وانا كيفاش ندير
Bon ben, Freezer, Shkin SDK, on vous souhaite bon courage, bon match. Et خلاص دوكا ديكونيكتي من ستريمينغ خلاص ادخل في الماتش ديالك شين اس دي كا انت ثاني بون كوراج اخويا بون كوراج جو بونس كو لي 3 الاخرين راهم قاعد يتفرجوا راهم يانكوراجيو دونك تو لي سبيكتاتور في تويتش يا جماعه الخير ما تحقوش لي برونوستيك ما حش نقمرو صح تسخي انتريسون تحطو ان كومونتير شحال لي برونوستيك تاع لي سكور Par exemple, le score global, le score final, chaque match, pour alimenter un petit peu le commentaire, ce serait intéressant pour le live. Je pense que pour un premier match, Shin SDK, mais je ne suis pas pression Freezer, mais je pense que Shin SDK a gagné. Je pense. Parce que quel paramètre tu as fatigué, Freezer Fatigué Minkoff. Il n'a pas eu l'occasion de s'entraîner, oui, je vous disais. Fatigué Minkoff. Ça a un avantage pour Shin SDK. Mais il a l'avantage de l'expérience, Ardouane, Freezer. Il a l'avantage de l'expérience. Et Kima Ponel Komorbil, c'est un FT2. Donc un match make fish. Tout est possible. Et c'est ça qui est plus intéressant, je pense, fait, la configuration. Allez au bout de la file d'attente. Pardon. Oui. Can we snore it? دي عتي دي حتى البريمير ايفينمون كنت كندير لا ميش كنخليهم كيتسنا ولا ما كاينش كاع هنايا هذا انت دون ميغال سيتي توا كنشوف دايما يقول هيا 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 فوالا يا جماعه دونك لي ماتش فون كومونسي تري 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 بون كوراج وزاهيونا زاهيونا يا رجال يلا الدراري اكساسوت الدراري بون ديجا سيمو بلام بلا ما عرفت عطى 2-0 تري بيان علاش لا واي نوت 2-0 لشكون 2-0 لشكون بصح غادي تكون 2-0 شين اس ديك جو سي با شكون البرومي بلاير البرومي بلاير سي الجيري دونك الجيري ا غوش و ا دروات سي الماروك واش 2-0 الجيري باسكو سي واخا في التيراج او سور انا جوبونس 2-1 جوبونس 2-1 باسكو ماشي ساهل فريزر نو بلو مي 2-1 بور شين اس ديك واش تقول انا نقدر نقول لك انا فيو ليكسبيريونس ديال فريزر باسكو راك تعرف فريزر و حتى الماتش اب سي با انا واش لا بلاتي تسمح لي لا Match-up, je crois, il est favorable pour Akuma. Je crois qu'Akuma, il peut vaincre Bison. Bison, un dopamine. Match-up, oui. Exactement. Justement, le match-up, oui. Welakin, il connaît très, très, très bien le match-up Freezer, ouais. Parce que moi, il a notamment Majdo. Lui, là, c'est pas un nouveau personnage. Donc, Rana Choufou, les Bison, Ando, le V-Skill 2, V-Trigger 2. C'est très intéressant. Akuma, il a bien Akuma. Voilà. Akuma, c'est V-Trigger 1, V-Skill 1, Omelouer. Donc, avec ça saute, ça va commencer. يلا بسم الله ما بدا الماتش او بدا ديريكت انا اون ديريكت هكذا باش نطلع باش يبان لا كاميرا واه دونك في سكيل 1 في تريجر 1 من جهه بون بور لانستون راهم ايفن بور لانستون لو ماتش لي اي سوبسيرف راهم جوج هما لي دو زون دو ماتش سي سا جوج هما بوتسيز جوج هما كل واحد راجع اللور كيتسنى الاخر Perfect, très bon jeu. Voilà, air to air. Oh my god. Voilà, activation des triggers. Ah, oh là là, après moi, qu'un problème. Pression plus grand et la shop. Voilà, premier round pour Freezer. Où l'activation d'un des triggers était. Je pense que c'était au bon moment parce que voilà. Au bon moment. Exactement. La pression. Où la pression d'un des triggers. Oh là là là, le V-Skill 2 Hadaya avec Menhamelouch. V-Skill 2 d'un des غير هي عماد الى ما هو ماشي فريمون بروكن تي فوا هو اون فوا كيجي في كومبو يخدع سورتو الى انت ديجا توي اكتيف ان موفمون مثلا في هادو كان ولا شي حاجه هو ديك الساعه سي لونتيسيب طون موفمون غادي يجي اللور و سي 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 الى جا فيك الدقه سي انكور ميو بور لوي الى جات اون بلوك سي بلوس ان دونك تي بو ريان فير Voilà, plus et en plus ça même, il peut pas enchaîner Bzef Mar. Donc c'est juste beaucoup plus pour surprendre l'adversaire. Pour l'instant, c'est Bison qui mène le match, c'est Freezer. Ando Bzef, là c'est bon, il a pris la chope. Il va essayer de rééquilibrer le match. Ah, très très très, très bien, air to air. Ça va, il s'est calmé. Je trouve que Shin SDK il s'est calmé. Walakin il prend toutes les chopes, pratiquement toutes les chopes. Je crois qu'il est en corner d'abord, c'est pas bien pour lui. Il a les outils pour sortir, ouais. Le pied de bas. Il est full. Le V-Trigger est en ou le CI est en chargé. Est-ce qu'on va s'attendre à un comeback? Je sais pas. Je sais pas, je serais qu'un combat. Oh là là, le Chine SDK. Très bien.
واش كنا نحكيو على très bien joué de la part de Chine SDK. شوف un combat la cage machine de reversal. Voilà, ouais, Makesh Bichy Derevi Reversal, Ma'andouch Wina Harab, il a confirmé le match, il a confirmé le round plutôt. Ouais. Très très bien. Oh, tu sais très bien que Bison, il est vulnérable contre la Demon Flip. La Demon Flip, c'est son cauchemar. Hein. Et bien sûr, il a fini le round. Il a compris. C'est ça, il a compris Chine SDK, mais Demon Flip, c'est très bien utilisé. Le skill d'Arkoma, il a très bien utilisé. Bon, je pense que nos cas, ça s'est rééquilibré. On va assister à un final round. Oh my god. C'est très intéressant. Le coin, Bison le coin, ah il s'en est sorti. Activation, voilà, activation du V-Trigger, donc il faut faire attention. Pression des Bison. Le coin, ah là 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 là. Psycho Bomb, Psycho Bomb, ça va se passer. Et il a beaucoup de ressources, Kilimax. Bien paré. Il a essayé de renverser la garde, la Sumitushin SDK, parce que Psycho Bomb GP, mais SDK il était... Oh my god, oh elle a harba. Bien, elle a side switch, side crash. Exactement. Oh, frame trap. Oh là là, bien joué, Oh my bien, god. Bien joué, Erdogan, Freezer. Premier match. Freezer wins. Bon, Croco Majmaa, c'est un FT2. Donc c'est pas fini. C'est pas fini, c'est un FT2. Donc le premier match a été remporté par Freezer. Donc une chauffe-eau, comment ça va se passer pour la suite, pour Freezer, ou là il est directement le deuxième, ou là il y aura une égalité de la part de Chine SDK. Walakin, je pense qu'on a vu un très 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 bon premier match, Hossein, Moucharaïk. Oui, exactement, c'est un très très bon match. Les deux joueurs, là, un très bon jeu. C'est pas encore fini, hein. c'est pas encore fini. Un deuxième. Ouais, exactement. Surtout, il s'agit de deux joueurs. C'est très serré. Je suis impressionné par Kifesh Kharaj Mokbil Mikouan. Je crois que c'était le tournant du match. Kifesh Freezer Kharaj Mokouan, c'était ça qui a renversé la vapeur. Mais en même temps, Rana Choufoub, il connaît très très bien le match-up de Chine SDK. Il connaît bien le match-up de Bison. Psycho Bomb Makhlaatouj. Psycho Crash Makhlaatouj. Le chimie. Oh my god. Et la finition du round. Bravo, Chine SDK. Ah, très bien, Chine SDK, wow, amazing, il m'a impressionné. Et surtout, tu connais pas le gars, donc tu as découvert. Exactement. J'ai mis bzaf son jeu. Oh, ça c'était pas mal. Rado est sorti au bon moment. Bien. Bon, il a l'air plus à l'aise. Le premier match, il est à l'aise. Il a l'air plus à l'aise. C'est ça. Pour l'instant, il encaisse, il défait le coin, très bien, il s'en est sorti de EX. Pour l'instant, il panique pas. Freezer a Rahou bien. Il panique pas parce que Rahou fait le coin. Backdash, Aour John côté de la forêt, et une deuxième shot. Doka Rahou, activation du V-Trigger. Oulalalala, crush counter. Maintenant, c'est lui qui a l'avantage. Enfin, en fait, elle a pratiquement à égalité en termes de ressources. Oh, et un cross-up avec Psycho Crush. C'est normal, c'est dans le setup de Bison, c'est un cross up. Les Arf, le V-Skill 2, le V-Trigger 2, c'est ça. Ah, il a raté. Match point pour Freezer. Et match d'égalisation pour Chine SDK. Exactement. Finalement, Doka, c'est Bison, c'est Freezer qui est plus à l'aise. Parce que Warao a de l'avantage du score, a de l'avantage sur le match point. La barre de vie, donc, la barre de vie, d'ailleurs. Et c'est plus. Non, on a pratiquement donc even. Mais c'est plus Chine SDK qui doit essayer, qui doit faire. Prendre des risques. Et c'est ce qu'il est en train de faire. L'activation du V-Trigger, un de 2 bas, la CA, ou je la règle de Pression, pression oh là. Très 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 bien joué de la part de Freezer. Donc à Fizo, j'ai un le V-Trigger. Il a tenté de faire un cross-up. Parfois ça marche, hein. Parfois ça marche. Walakin, on a un full CA pratiquement. Darba ou Chine SDK, il va activer. Oui, tu as raison. Ah, ouais, c'est le moment. Voilà, classe le V-Trigger. Donc il ne pourra pas faire de. Et n'oublions pas qu'un de la barre, il faudrait résister un seul combo avec super bye bye. Fizo, je hit confirme ou classe. Oh!
Oh my god! C'est ce que je vous ai dit, il te confirme. C'était ça, il te confirme. Oh my god! Oh là. Wow! Franchement, il n'y a rien à dire. Tbarakallah avec Freezer. Et avec Sahashi NSDK, on a vu un match de qualité. Franchement, bravo Ali. Avec Saha. Où je raïk, Houssam? Où je raïk? Je trouve que c'était un très très bon match entre les deux joueurs. Les deux joueurs ont très très bien joué. Mais aucun vraiment, comme je disais, un even match. Il me semblait que les deux joueurs étaient à l'aise, à 100%. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Et voilà, mais voilà, la chance jette Freezer. Donc, ça marche comme ça tout le temps, un jeu de combat. Mais ce n'est pas encore fini. SDK, chez SDK, il y a les deux vies. Deux vies. Donc voilà. Donc premier match. Freezer va toujours rester. Voilà, Freezer va toujours rester line-up. Il va toujours rester en combat parce qu'il répond à celui qui gagne, il kemmel. Exactement. Le joueur suivant et il va être choisi par the commander. The commander c'est Idriss, donc c'est lui qui va choisir. Je connais Hikun, le joueur suivant. On va voir. Je connais Hikun. Oui. Drum rolls. En tout cas, premier point largement mérité par Freezer pour l'équipe marocaine. Marocaine. Mais Anna Holcomb. Chine SDK راح يعاود يولي en force inchallah pour le prochain tour parce que il a une très 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 bonne qualité de jeu. Oui, exactement. Bien présent, on connaît très bien le match-up. Il connaît très très bien le match-up de Bizan. Ou galib un message indirect à ma quatre lèvres. Ouais. Au plus important, Houssam, c'est que c'est le premier match. Donc, c'est le premier match de le challenge. Parce que il a intégré récemment l'équipe algérienne. Donc, ouais. C'était pour lui un stress. Mais en même temps, si vous voulez le niveau de Tao, il a bien réussi à montrer imposer son niveau. Voilà. Le coach a une tâche facile pour qu'il puisse gagner. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le premier match de la Chine SDK, c'est un match d'introduction. Il s'est introduit. Il dit, Anna, je suis Chine SDK, je suis joueur Akuma. Tu me chauffes le jeu d'y aller. C'est un match d'échauffement pour lui. Deuxième tour, oui. Inch'Allah, je suis sûr et certain qu'il aura un autre style de jeu. Oui, je pense. Donc, chauffe Idriss. Sans complexe, sans jeu, qui est le joueur, le next player, le Redilab d'abord. مع فريزر من هو النيكست بلاير يقدر يكون هو بريزون يقدر يختار راسو ممكن شكون اللي عنده لا فاسيليتي بور كونتري ولا ماروش خايف من بيسون هذه هي انا جو كرو كاع الفريق الجزائريان ما كيخافوش من بيسون كاملين كلهم يميتريز لو ماتشاب ديال بيسون كتبقى ديك الساعه الفايتينغ ستايل ديال الريال سي فايتينغ ستايل سي لو جوور كومون يل جو افيك Je pense que ça va être Idriss. Balek parce que c'est Hua the Commander, donc il va se dire bon, Nji, je vais essayer de gérer le truc. Wallah. On va voir. Que je m'accueille les commentaires sur Twitch. Ouais, Hamin Chouya. Dres, juste pour rappeler, le premier match, c'est un tirage au sort. Le deuxième match, donc celui qui perd. Donc le capitaine a toujours le droit de choisir qui est le prochain joueur. Irtar Shkulradi Labnoura. FT2 chaque match, chaque victoire a 1 point. On va dire la boue à 12 points. Donc, qui va être le dernier point, les Jazz, le FT2 Lirpro Freezer, c'est 1 point pour l'équipe du Maroc. Ou Mazel, 11 points, Bush, l'équipe du Maroc, Terbah, ou à laquelle l'Algérie est présente. Attention, c'est quand je suis l'événement de l'Ouali, il nous tibait à quelques points, mais après, quand je suis l'Algérie, il y a un comeback extraordinaire. C'est ça. C'était 20-17. Ouais, c'était presque even. Voilà. C'était Aridoun la dernière fois, le capitaine, le commander. C'était Aridoun. Et il y avait toujours KX, Camille et Idriss, toujours avec Colin. Et le quatrième, c'était Oni Orochi, qui a Abu Bagl. Oui, Abu Bagl. Abigail. Et c'est peut-être ça aussi, parce que tout le monde a fait le match bien Abigail, ma Jiddu. Donc,
c'était peut-être trop facile. حنا قلنا بالك ما يعرفوش الماتش بالك ماشي مورفين بابيغيل فينالمون عندكم نو كان لو جوور كيلعبوا مع ابيغيل بزاف دونك عندهم عندهم اون باس دو كونيسونس فهمتيني بارابور ا ماتش اب عارفينو مزيان يعني ما كاش بزاف سي ادريس فوالا كيما قلت لك سي ادريس فوالا داكشي اللي قلت لك قلت لك راه غيتقول انهبطوا او بودو لا فين داتون ديما انايا كنحس عليهم ما كنهبطش كنخلي راسي الفوق Voilà, donc comme on a Idriss, the commander of the Algerian team, c'est lui qui va prendre le relais, qui va prendre le témoin, faire le challenge. Inch'Allah, il va faire un bon résultat. Et même s'il ne fait pas le résultat de Nahi Haoussa, de Nahi Haoussa Alay, je pense que c'est l'occasion pour lui. C'est une vengeance parce que le challenge de Mavien Raito, avec le FT10, il n'y a pas de problème. Parce qu'au-delà du sport, il n'y a pas vraiment... شرفوا ويفرحوا كي هضرت معاه قال لي ما كنتش مليح ما بيجي اللي بعدا كان مخربق بين غير الجو ديالو كان فريمون مخربق حيت الا ما كانش المباراه فوالا سي كيسون مورال ثاني دونك او بوين البارح كيما قلت لك مقبل كونط ديسكوتي كونط بريباري لو ستريم احنا رانا نلعبوا رانا نديروا سبور ان جور سور دو البارح قال لي عماد ما نجيش راح نبريباري لو تورنوا Donc il a raté une séance de sport, je l'ai préparé. Idriss. Il a sacrifié sa séance de sport. Là-bas, il va y revenir. Je suis certain qu'il va y revenir. Inch'Allah. En tout cas, on a vu qu'il y a une vidéo. Il y a un abonné sur la page Street Fighter Algérie, le groupe Street Fighter Algérie. On a vu qu'il a joué avec un joueur qui s'appelle Arslan Player. Il a fait un mix. On va peut-être le voir lui. Yallah, début du match. Il va y revenir. Il va y revenir. Surprise. Pour l'instant, phase d'observation, c'est le premier match d'Idriss et forcément Freezer il est plus à l'aise parce que c'est son deuxième match, il enchaîne. Oui, l'avantage est un Freezer, donc déjà en termes de la barre de vie, donc c'est Freezer qui a l'avantage. Exactement, health. Le V-skill m'a frappé. J'ai, parce que Idriss, qui arrive, le V-skill commence à marcher, continue. Qui chauffe, qui crache. Freezer. Le son là où il est pima avec Nara. Le son t'a avec Jabiopé ou de pima avec Nara. Finalement, comeback. Et il a fini le round Idriss. Chapeau Idriss. Comeback, retournant en situation complètement à Jib. L'avantage donc pour Idriss en termes de round, voilà qu'il. Oh lol. Je suis allé Allez, habo madame Idriss. Tech bien exécuté de la part de Idriss et de Freezer. Égalité, les points de vie, toujours. Observation, les fous, si Zaraham respecte la sécurité, la distance de sécurité, Zaraham en face Corona. Mais il carabouche bizarre. Pas de empire de. Oh, bien. Del trade, mal de Douglas. Il n'a pas fini le combat. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il a eu une idée, je ne sais pas. Peut-être. Ou la lag. La lag, oui. Bon, Inch'Allah, la lag marche et Serna, je suis à la soirée. Très bonne exécution et activation du V-Trigger. Le coin. Le coin, c'est un peu dur pour Bizan, le coin. Voilà, mettre bougie, chef Freezer, mettre bougie. Oh, wake up 3 frames, suivi par un 6 bien sûr. Le classico des Bizan. Le calme de V-Trigger. En plus, c'est un double trigger activé, donc il déroule mes crashs. Exactement, oui. Voilà, égalisation, final round. On assiste à un match bab. Sarahatan, on a eu un match très très serré. Ouais. C'est différent que le match Amrbil avec Chine SBK, parce que là qui belle c'est un niveau différent. Qui belle Idriss, pas du tout à l'aise. Hal Chine SBK. C'est ça. Oh my god, anti-air, men side switch, men port. Très très bien exécuté de la part de Idriss. Il réalise le combo. Peut-être l'activation du V-Trigger sur le coin. Voilà, overhead. Mais grave, chef Ouya. Avec un head stamp, air-to-air. Air-to-air, head stamp. Et l'activation peut-être du V-Trigger. Exactement. Wow! Oh là là, amazing, la slide switch. Un mix-up de. شكون ديكونيكتا نو جو رجع اي ثينك رجع هو بيان بون راه ايغاليتي جو بونس كو لو بروميير كي فا توشي لوتر وي ايدريس اه اي بان سي ادريس
C'était ça. Bon, la coupure, la ralb, c'est la ralb. Bien sûr, t'as les Mais permettre. c'était très 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 serré. Très 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 serré. All in win. Flawless victory. Fatality. ميكس اب هذاك هو اللي كنت نحكي لكم عليه حسام، اه وي سي جولي، ها شي فيها واحد سايد سويتش في حطوا كورنر قلب ليه لاغارد حطوا في الكون، ايه حطوا في الكون، سي سا حطوا في الكون. ابخي يا لو ستون اي لا فان دو راوند. بون دوكا عندنا 1-0 بو ادريس، دونك فريزر لازم يليغاليز سيل بو ريست دون دون لا بارتي. هاد لا بول دو غلاس هادي اللي تري تري زوتيل باش بور امبيشي لادفيرسير يكمل الكومبو تاعو، دونك ميم يدير ريسك ما تخافش. لو كونتر تاع كولين هذا يوجع خلاه في الكوان، تري 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 بون رول. واو واو باري دير الديسك ديالها لا بيان سور، طاح عنده طاح عنده تارجت، اه طاح عنده دالي تارجت كومبو بيان سور تريغر اي تري كوبون. شي على باري كيدير باري التيك تاع صاحبي انكرويابل، الى انولي تري كوبون. Oh my god! Oh, oh bien, 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 bien. Round Colin, round Idris. Match balle de pour match. Idris. Ouais, c'est balle yes, de match pour match Idris. Point. Oh le le. Ram égalité pratiquement le bar, CA. Les mêmes ressources, même. Pour l'instant, l'avantage est le Climax, le Freezer. Freezer sur 3 rounds. Très très gros avantage. Ah, non. C'est ça. Le coin, l'azm, il faut que Idriss ou Elakin, pour l'instant, bonne défense, des deux côtés, bonne défense. Une pression à Ajiba, même un freezer. Il s'est sorti du coin, il a activé le V-trigger et le. Ouh là là, l'enchaîne. Wow, bien sûr, pour maintenir la pression. Ex ou Elakin, Idriss, Galé, Anna, et le V-trigger. Wow, Adria, 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 oh là là. Un tour, un tour. Mix up, ouais, Ardi, le Baksen. Bien esquivé. شي على اسكيف كيدير الكورنر واش راح يدير واش راح يدير. يا رد بالك اذا ما يكملش. او ميكس اب غادي يدير الميم ميكس اب قبيله مي لا بي بلو دو او ماي جاد بيان سور لا انفيرنو اكس كتكون شويه ماشي كومبلي ما عنده ما يدير خص يكون ان سيغتان رينج عندك باش تقدر تكون سي باس ضرب عليه بواحد الطريقه. Je sais pas ce que Idriss s'il a voulu faire quelque chose du coup clair bien comme il faut. Parce qu'il n'a pas réagi. Il n'a pas réagi au bon moment. Il n'a pas réagi pour voir que Chalèche où il a profité de la situation freezer. Bien joué. Medium. Bien joué. Eh bah medium. Alaykoum salam Wolfman. How are you man? Oh Wolfman. Wolfman n'a jamais adoré le japonais donc après ce moment. Bien sûr. Barrage japonais. Après les jeux, c'est bon. C'est ça. Déjà à Tokyo. Oh my god. Moshinde. Nani. Là, c'est Nani, justement. L'activation des deux côtés. Donc, elle ramène des ressources. Nani. Les ressources, elle ramène pratiquement à égalité. Mais elle donne une partie. Oh, la quête là-bas. Ah, j'ai Idriss ou la le overhead فاق له فايده. شوف مع ايغاليتي لي او ماي جاد شي بيان جو فرانشمان بيان جو فريزر بيان جو بيان جو ان بارتو في ار تي 2 هذا راح يكون زير زير بزاف يا ربي. حسام جاب يا ربي راح نوصلوا حتى 8 اور دو ماتان على بالك اسو ريت نقول 8 تاع الصباح انا راح يحوزوني من الدار مي معليش طونك كاين دو بون ماتش كاين دو بون جو هاتو Donc on a eu du malin plaisir à y assister, pas de problème. Un partout, un partout. Ah, c'est bon, c'est réglé. Allez, début du troisième match du FT2 Mabin Freezer ou Idriss. Le geste qu'il a d'exemple, franchement, le geste qu'il a d'exemple. Je crois que c'est un lag qui a les deux pays qui a oui, c'est ça, malheureusement. Je crois que ça aurait été mieux pour qu'un... كان ديفي اوف لاين وان شاء الله قريب العاجل غادي تكون ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله او ان شاء الله بنتو ديجا يفو ريبروندر لي فول في الماروك في الجزائر دونك ان شاء الله كيما لو زير ريبارسيل كما بقاستو لا بول هادشي كيعني بان لا بول لي بويسونت ديال كولينا وي تقدر تستعملها بزاف ديال ليكاب الاكتيفاسيون دو فيتريغر
نشوفوا لاكتيفاسيون دو تريجر جاب لي ربي فيها 2 3 هيت مانيش كاع سيت اب نغيطرا دابا او لا با بيغ كروس اب الى با بي فار دي كروس اب هرب له بيزون هرب له فريزر اي لاكتيفاسيون كروس اب خلاص له والله لا كيسكي باس باسي مينو وي معلم ادريس معلم اوفر هيد اوفرهيد باش تجيب فريزر. وي وي سي بيان جوي ما كملش مش بو سيغ دريس الى ريزيرفي سون اوفرهيد خلا حتى نسى فريزر وداروا ليه فلوس. اكزاكتومون وعلى بالو وفريزر جو سيغ على بالو بلي راح يديروا ادريس ولكن الى بتيت با ريجي وي سي فري بون ماتش بوينت ادريس لو في سكيل دو فريزر سا il marche plus contre ادريس بريسيون remarquable la part ادريس ولكن هنا recovery de la part de Freezer, ils sont even un bon match. Ouais, mais le point, le corner de Freezer a beaucoup plus ses idées rapides. Est-ce que Rawid Dour, Rawid Dour un bait peut-être yeah. Voilà, je sais pas le plus. Pas script, je vais le faire. Oui. Pour l'instant, il se passe pas. Oh, ah, wow, finish. Oh my God. Et le hit, vraiment le dernier frame, grâce au dernier frame, t'as le hitbox. Idriss, qu'est-ce qu'il va faire Idriss? L'activation du V-Trigger, forcément, justement, c'est le moment. Oh, t'en passes pour faire un cross-up! Rahando! My god! You have been greedy, Idriss. You have been greedy in that moment. At that moment. Match point pour les deux. Et bien, match point égalité. Pour les deux. Égalité parfaite. Deux barres de CA. Pour l'instant, un kiff-kiff. C'est plus la pression Rahim Jett, Idriss. C'est bon. Équilibre en termes de health points, pratiquement. Voilà, il suffit juste qu'il. En fait, il y a une bonne défense, hein. Il y a une bonne défense, mais. Tarif a des espoirs. Et en général, le match très, très, très serré. On s'ennuie pas. Kanandu à une époque, il existe défaut. Makanch, il n'était pas agressif, il n'était pas assez agressif. Mokbil, quand on l'a dit, Nastinas, Nassim, il a Balrog. Kanatan, on a fait Hakalo. Kalo, tu manques d'agressivité. Il est, je pense, devenu un petit peu plus agressif depuis avec Darban. Même Walukan, à la bonne année, il ne manque pas d'intelligence et de vision du jeu. Ah, ouais. Bison, tu offres un double trigger. Il a activé le psychobomb. Ah, bien gardé. Là, c'est la coupe-bombe qu'on avait imité. Je ne sais pas si c'est la coupe-bombe. Bah, Freezer, واحد الوضعيه لا يرتلى. Ah! Colin, bien gardé, ça y est. C'est super, voilà. C'est fini voilà. Pour Freezer. C'est fini. Très très bien joué de la part d'Idriss. De l'Algérie, bravo. Ouais. Un point partout. Un point partout. Et maintenant, très bon c'est match. Idriss qui prend. Qui m'a connu le com, Mokbil Hussein. Qui m'a connu le com. C'est. Je pense que ça va être Darja Berja même faire le challenge. Parce que le niveau est là. La motivation est là. ان شاء الله برك ونزيدو ندعيو كاع نفدو دينا ندعيو كل ان شاء الله برك لا كونيكسيون ما ديرهاش بينا هذا راك ها وي سير بون كديرها مره سورتو في جي فريزر قول با جي جي فريزر ان توكا افيك صحه جود جيم الجزائري وبيان سور ادريس اي روفني بارمي لي مور لا ديرنيير فوا ما كانش عنده فريمون الموغال باش ما كانش كاع ودابا باين لينا بان كان يوم لك ويوم عليكم اونجي Exactement. Donc, next match. Je connais l'adversaire de Idriss. Où je trouve Hussein? Je vais vous dire que normalement le choix est très difficile. Je vais vous dire que le capitaine qui est le joueur, il va dire que c'est un mais Anaya, j'espère qu'il est Ajdo. Je n'ai pas Akuma de la Chine SD ou Ajdo. Mais sinon, le choix est très, très, pas vraiment facile. Moi, je verrai Dark Souls. Moi, je verrai Mehdi. Les trois joueurs, voilà, on voit Mehdi Darfour. Il est là, Karine. Parce que je trouve que la difficulté des Katando Aridon, mais c'est difficulté, ou la Kin, c'était pas facile à 100%. Et je sais pas, là, je pense que Hanchoku Karine, je crois Darfour, c'est 4-8-5-2. ما كنا قبل راه متقاربين وملي كنقولوا متقاربين ماشي واحد غالب على الاخر سي بريسك ماشي تو افي ريزون حسام سي اج دو هيا هبط لا فيلا تاع
واحد اون بيرسون قال لك شوف لا تيير ليست ايل شونج ولا ان جوور برو كي لا تيير ليست ديالو في اكسبيريونس هبط وي لا لا ماشي تيير هبط هبط خلي لي جوري يلعب ديما كنديرها خير ديما كنديرها لهم ديما انا كنفضل راني هنا باش نفكرك معليش فوالا دونك ديبي دي ماتش ما بين ادريس واجدو خاطر كاع نقول لك السبب اللي تعطلنا فيه في بروميير ايفيرمون تعطلنا مسالين حتى جوج اونس ديال الليل سيتي ا كوز دو موا باسكو كنخلي لا كول بوك نص ساعه على جالك واقيلا نص ساعه صغيره على جالك معليش راني هنا راني نتبع فيك الله يحفظك عماد الدراري كي كونيس با عماد مون جو لو كوني تري بيان جي يو لا شونس دو ريغاردي با مال دو فيديو ديالو هما مسمينو في الجزائر لوم ا سون فوا لو ميك اي كابابل ديميتي دي شخصيات كبار ومام ايميتي دي بروتوغونيست ديال ديس كان ان شاء الله من بعد غادي اون اورا لوكازيون دو من بعد نكومونتي شوف في الماتش هذا نكومونتي ب اومر سيمسون سمع الدراري عطيت كونسونطرا مزيان سمع او ليميتاسيون ديال 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 ديالو فريمون سي انكرويابل عماد الي فريمون سوبر تبارك الله يا خويا بارك الله فيك يعطيك الصحه يعيشك بارز الساحه الفنيه الساحه السيل ميدياتيك الله يعيشك ميرسي بوكو بارك الله عليك نو جو فولي جوست دير بلي فوالا دونك جو بونس كو هاد لو ماتش غادي يكون تري انتريسون باسكو ادريس شفنا بلي هذاك النهار الى كلكو ديفيكولتي مع اجدو مع الاكوما تاع اجدو من بعد سي لوي كي رانفيرسي لا فابور دونك كيما كنت قلنا من قبل اون اغريسيفيتي عجيبه دو لابار دو اجدو اللي راه ديجا طلب لا موتي تاع هاد ادريس سي لوي لوم ديال لو روند كورنر دابا بريسيون remarquable de la part de H2. Pour l'instant, c'est H2 qui met le match, le round. Donc, on arrange d'abord. Bon, Idriss avec l'activation du V-Trigger, du coup, il ne reste pas beaucoup de ressources. V-Trigger classe. Classe pour le V-Trigger, ça y est. Oh, ah, il a pas fini, il aurait pu. Il aurait pu le tuer, Kunder Shoryuken, non? Shoryuken, exactement, je pense qu'il aurait pu Kunder Shoryuken. Il s'est contenté de faire pari. N'a pas bien calculé la distance. Ou là, avec la distance, Kanbein. Bon. Possible. À la Koulihal, il a gagné le premier round. Ajdo. Crash Medium Kick. Bien sûr, Crash Medium Kick. Akumoha, qu'est-ce que c'est, mais il est imposant. Hein. Mais oui. C'est ça. Même l'HK. L'HK, c'est bizarre. Krao Kbir. بزاف عنده واو الوغ ادريس راه فول سي اي فول بي تريغر واش راح يدير بوست او يستعمل الاي اكس لاكتيفاسيون مازال يعني تريغر مازال في بريسور كورنر فورسيمون لاكتيفاسيون دو تريغر بيان سور تري بون شوا الى بريفيري يوتيليزي اون بار او لي كلها واو وات ا ميكس اب اول اوفر هاد او ويستن تن عمر لي لا بار مزيان شوب اي سي فيني بور اجدو Égalité. Wow, mais wow. Et que tu vois des trucs à ça, mais que tu vois l'âge derrière lui, mais d'acheter. Il y en a qui belle. C'est ça. Stratégie qui trouve belle le jeu. Incroyable. Parce que c'est une stratégie liée JBH avant le match, mais parfois ça s'applique pas le match peut-être ou le compteur. Wow, what a party, ça a bien. Ajoutou, Marach, c'est magné. Qui t'a vu chou? Qui t'a vu chou faire le match? Mais dis-je direct avec Maïd. C'est parce que t'as que le homme gars. On devrait bien aller. Lui a envoyé le message. Ah, ouais, écoute, arrête. Un coup à Oflas. C'est bon, après la barre Tyson, bien esquivé de la part de H2. L'activation du V-Trigger et la pression. La pression. Surtout, à comment l'équipe en trigger. Donc, il y a donc le V-Reversal. Bien joué. Bien joué. Toka, les ressources CA. Très bonne chope aérienne. Bien gardé de la part de Idriss. Il aurait pu. Aïe. J'ai la boule de glace, ma clé. Voilà, Masara Walou. Oh là, sweep. Unsafe, block. Je pense qu'on va l'idée. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un saut vide. Parce que oui, parce qu'il a fait un combo de l'eau, des attaques l'eau. Mais Idriss a dit non. Idriss a dit qu'il n'y a pas de l'eau. You shall not pass. 1-0 pour Idriss. J'aimerais bien rire quelques secondes, Hossam, je t'en analyse où est le dernier round, le final round de le premier match. Ouais. Je pense, mon analyse après interroulé dans le hack, H2, il n'était pas sûr où je qu'un Nazmi utilise comme stratégie. Parce que chef de la stratégie Tao n'a pas fonctionné, donc Habisi autre chose.
J'ai ça vu n'a ça. J'ai vu. pas. J'ai vu ça. Eh, J'ai vu surtout ça. à la fin, surtout à la fin. Le La choix, j'ai pas fin. compris que t'as un dos. Exactement. T'as remarqué? Il y a un deux barres. À un certain Il y a moment. un deux barres ta CA. Tu as La raison, tu as raison. 3e telle, il n'a pas utilisé pour mettre plus de pression. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Tu Madame as raison. Donc, GFT2 Hala Gelsi, j'imagine que Drelb, une seule stratégie, ouais, pas vraiment marché. Elle n'a pas fonctionné. Ouais. Et ouais, il n'a pas eu l'occasion. Hossam, please, Donc, quand il n'a pas eu l'occasion de l'exploiter. Voilà, exploiter les options. Une seule option, donc. Ou quand il y a le jeu. À un certain moment, il y a un autre. Surtout, le moment où il a fait avec le saut vide, pour essayer oui, de. Oui, le combo de Mais Idriss, il était. Il était là. Il était prêt. Il était. Oui, il était aux aguets. Kanis l'a fait. Kanis l'a fait. Bon, Masrawalou, c'est juste que parfois il arrive que Yorjou le screen, t'as la sélection, t'as la suite, continuer. Oulala. Mais Zenaf le FT2, premier match pour Idriss, ou mais la possibilité d'ajouter pour un comeback, ou là pour Idriss de confirmer le match. Donc, Rana Nsinao, Nchoufou, Jalahisra. Ajdou, je pense qu'il va changer de stratégie. Il a intérêt d'ailleurs de changer de stratégie. Bichidour à Idriss. Ou Idriss, Shift, je sais pas est-ce que c'était. Je sais pas est-ce que c'était l'AB contre. Pour contrer Ajdou, ou la Jab a de la stratégie. Je vais jouer comme ça. Parce qu'Ajdou a de la. Non, je peux d'abord. Oui, c'est vrai. Radis Ben n'a pas fait le deuxième match. Radis Ben. Ajdou, il a là... intérêt. Donc il a intérêt parce que même pas chez Nkaza la colline parce que Karf Colin a le pari de fou. C'est bon, ah oui, c'est bon. Je pense qu'il l'a compris en tout cas. Je double Binazen sur Ad Jumpman. Et je crois que c'est pour cette raison que le son vide leader. Je crois que c'est pour aussi, éviter avec la parade d'Yela. Nkaza Khawi, qui est le combo multi. Et pour ça. Mais c'est un bait tenu de la part de Idriss, de la part de Colin. Ah là là là, le vice oh, qu'il a fait vide, il a profité. Oh, cap. Bonne défense, bonne esquive, خرجم الكورنر, مليح, خرجم الكورنر كيما لازم. Donc, عندهم, voilà, l'activation du V-Trigger من عند H2, Akuma qui a le V-Trigger, à la belle compte de lui, صعيب. Et les Hado Diablo, ils خلاصوش. Aïe. Oh là là. Bonne lecture de la part de Idriss. L'activation du V-Trigger, sûrement. Voilà. Activation du V-Trigger. Mastamelouche. Toujours pour garder plus de pression, plus de ressources. Et voilà. Ah. Oh là là. Oh, wow. Je pense que Tanib, il a joué le moral. Ça joue sur le moral de l'adversaire. Il aurait pu utiliser le V-Trigger, le plus normal du monde. Ou elle a fait une chope. Pour déstabiliser H2. Mais H2 n'est pas déstabilisé. Là où pour l'instant, il mène le round. Le round de Taoura. Qui m'a laissé. Les ressources de Idriss sont full. Le trigger, le CA. Là où c'est une barre de EX. Pour pousser au maximum le corner. Le stun. Et je pense s'il exécute bien son combo. Ah, il l'a raté. Il a raté ce combo. Et là-bas, c'est. Ou donc là, c'est l'avantage pour F. Et ça, non, y est. Mais non. Il a bien fini. Idriss, GG. 2-0. Bien joué, Idriss. 2-0 pour l'Algérie. Donc, deuxième point. Deuxième point pour l'Algérie. Très bien de la part d'Idriss. Bicher. Hadawa Idriss de Lyoman n'a rien à voir avec Idriss de. J'allais dire, Hadawa Idriss de. Hadawa Idriss est Nahab. Hada, c'est le vrai. Hada, c'est le vrai. The Commander. Commander. The Commander. Mais H2, il a montré quand même un jeu très, très, très agressif. Il a été très, très, très agressif. Et. Kif, qui m'a parlé à la Chine SDK, le retour Tao, on va voir un autre style, une autre stratégie, Mlad H2. Donc nous avons deux joueurs Akuma en attente, Lana Habin, Choufou, un comeback Mlad. Je crois d'abord que le capitaine va choisir VN Raito, comme la dernière. Pour déstabiliser Idriss. Pour déstabiliser Idriss.
اللي غادي يمشي عليها فريزر جو كوا. انا نشوف كلايماكس فريزر يعاودوا لي جو بونس با ما يقدرش يعاودوا لي فريزر حتى يدير له التور. لا تيديروا له التور كاملين تيلعب في ان رايتو ويلعب دارك سورد عادي يقدر يلعب دابا جو في ان رايتو ويدخل لوجيكمون في ان رايتو لوجيكمون كما قلت باسكو كما كنت تحكي من قبل لو ديفي دو اف تي ديس كونت في ان رايتو الى يجي مال peut-être que Haïdji boule vient right tout pour le déstabiliser parce que l'azem le momentum est absolu. Exactement. Il est dans son momentum Idriss. Si il enchaîne un troisième match et donc une troisième victoire, ça va être difficile de le déstabiliser. Mm. Donc c'est le moment peut-être pour l'équipe marocaine. Voilà, Alec. Summon VN right tout. Yes, قلت لك غيكون VN right tout, c'était logique et c'est la même occasion Idriss غادي يبين لهم بان Idriss n'était pas dans sa tasse de thé dernière. C'est ça. Voilà, moi, d'abord, il vrai de parfait. Voilà, donc c'est une bonne configuration. Inch'Allah, bon match pour BN Raito, bon match pour Idriss. Et Jema'a, li chefou le challenge il y a deux jours entre BN Raito et Idriss. J'espère qu'on va voir un autre match, une autre qualité de match, plus de pression de la part de Idriss et plus de défense parce que. Le regard que j'ai eu, c'est que Venraito, la défense Taro, chouille à Narsa par rapport à l'attaque. Parce qu'il se base sur la meilleure défense, c'est l'attaque. Oui. Du coup, vu qu'on voit un style de jeu différent de la part de Idriss, qui est plus dans l'agressivité, donc l'Azem, Venraito, il coule plus chouille à défensif. Oui. En tout cas, on va voir. On va voir. Round 1 fight. C'est. Phase d'observation, le vice qu'il a avec l'Azmé Hapso avec Idriss, parce que là où deuxième fois il y a un coup, on a un adversaire Théo. Égalité en termes de points de vie pratiquement, à part le Grey Life, Grey Health. Oui. Pour l'instant, toujours c'est Idriss qui met le match. C'est ça. Idriss qui met le match. Le corner, est-ce que Rahi Harbenno, est-ce que Hayes Taman a un vie reversal ou là l'activation du V-Trigger de la part du Hapso? Chauffou les footsies, chauffou la distance, très 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 bien exécuté. Ça ah, ouais, ouais. Très bien exécuté de la part de Ben Raito. Trigger, ah, le backdash n'a pas fonctionné. Et le backdash n'a corner. Pas fonctionné avec Idriss. Idriss, corner. Et une deuxième chope. Pourquoi mais justement, Outani, le V-Trigger Tao Kangarta, au lieu de payer la pression, bon, il a fini le match, il a fini le round. Il a fini. Ouais, Ken, les choix, je n'arrive pas à comprendre les choix. C'est bizarre. Il aurait pu mettre plus de pression de trigger term, mais là, je pense qu'il a gagné le round. Oh, ouais, nice backdash. Very versatile, parce que je suis dans le punch. Bien sûr, Idriss Galli, very versatile, je suis là. Bien préparé. Chop. Et comme d'habitude, le stun, voilà, la barre de stun est au maximum, place. La barre de stun. Et le crush counter, oh, et il va finir un hit, right. One frame, voilà, un hit, one pixel frame. Bon, égalisation à Idriss. Je crois qu'Idriss a très bien fait, mais je mets la pression parce que quand je mets la pression, je vais stunner. Et en réalité, quand Venraito va dire. Il est dur à l'air. Vas-y, dire sur le coup, être la map X ou les chihajas. C'était un bait de la part de. Très bien joué, une pression énorme de la part. Oulala, le. Le pari, comme d'habitude, monsieur Idriss, le pari. Le very versal Bachar Arab, bravo, full stuff, full resource, au activer le trigger, un peu 3 parts de CA. Où est-ce que Idriss? Ah, mais là, je suis sorti parce qu'il y a le Charlotte qui s'appelle anti-air, Kamin. Exactement. Oh, Crush Counter. Et voilà. Il est suivi par un combo X. X. Mac Munch, parce qu'il voulait mettre la pression pour finir le round, et il va finir le round. Et il va finir le round. GG. GG Idriss, bien joué. Oh, oui, c'est pas le même Idriss. Il a très bien fait de sacrifier la séance de l'entraînement Diallo pour se préparer pour être l'événement. Chouf, j'ai fait aller le bal, mais qui a mis la qualité, je te dis, je vais te dire. Franchement, le résultat, c'est pas le plus important, c'est la qualité de l'arbre de Raya. Pour l'instant, c'est une très bonne qualité de jeu. Oui. Même Vien Raito, il observe. Je pense qu'il y a une différence le jeu, la stratégie à Idriss. Donc, qui m'a pas compris, la pression est très importante.
et la défense est importante que il faut défendre qui mal azam. Si tu défends pas, tu n'as pas de problème avec Kami ou la Colin. Le corner mal azam, je n'en ai pas fait. Très bonne stratégie, très bonne stratégie, madame. Une agressivité. C'est un haka qui est agressif. Oh, il a raté. Ou là, c'est plutôt Idriss qui a bien esquivé le bait. Oh, voilà, Chimi. Chimi overhead. Et c'est fini. Oh, charge, il y a la barre. Mellem. C'était bien joué. Wow. VN Raito, c'est Gemrahak si tu veux avoir une chance de remporter le FT2. Parce que c'est une match point pour Idriss. Ouf, Touja quand même, Kidou. Touja. Ah ouais, c'est vrai. Touja. Il y aurait déjà la moitié de la health, Kodé. Et il est full ressources. L'activation, perfect. Un round perfect, peut-être. Non, il a voulu garder des ressources. Mais il a voulu. Attention, Raito, tu peux regretter qu'il m'a commis le match, le round. Ouais. Il a commis le round. Idriss a full ressources. Oh, crash counter! Tac! Ouais! Reset à ta couche! Attention! Oh là là, le remède! Il va regretter toute sa vie qu'il m'a touché! Oh, super! Oh my god! Wow, let's go! Ah, quel match! Oh là là! Le pari Diallo X, ça n'a pas marché! Quel match! Ça a raté que tu parles de Oui, bien sûr. Parce que VN Raito, ma kanch yestahel hnaya fhad le round yerbah parce qu'il aurait dû finir le round, il aurait dû istamel la barre tawo bach ykemmel le round pour confirmer le round. Walakin zarat lo, alhamdoulillah ala kol hal. Et pour l'instant, il s'est bien retourné, un round exceptionnel. Chouf déjà en 20 secondes, raw déjà très bien le round. Oh, ala Idriss, oui. Mais le deuxième round, du deuxième match entre Idriss et VN Raito, لازم نعاودو نشوفو نديرو highlight. بعدين هذاك vraiment c'est هو كاع highlight. Oui, كله highlight رشي من الاول حتى الاخر. Égalisation VN Raito. Bravo عليك. VN Raito qui s'est ديالو بان شيمي. Ish un chimie, une chimie, je sais pas comment. Un c'est la même chose. Unisex. En tout cas, la hype est réduite parce que le match, je pense que vraiment, les joueurs de le challenge, de le tournoi. Bien joué. Bonne pression de Idriss. Bonne shop, Bichihatouf le coin. Parce qu'il a hésité, Idriss l'a hésité pour un moment. Oui, exactement. Est-ce qu'il a hésité ou l'a blagné avec le delay pour feinter? Pour l'instant, c'est VN Raito qui a compris où je l'ai mis derrière Idriss. Mais il a fait chier les morts. Exactement. C'est ce qu'il fallait faire. Mais Hayab Abdouchouya, est-ce qu'il va pouvoir finir? Et Idriss qui ne se laisse pas faire l'activation de l'intrigueur, il va finir. Il va finir le monde. Mais Hayab Abdouchouya. Dans des matchs pareils, mais lazim je trouve des ressources pour le round suivant. Comme le round, il va être bien, mais c'est match point pour Idriss. Match de 2-1. Chop, Dami, bien sûr. Chop, Diela. Voilà, renversement. Bien sûr, Jean-Pierre, voilà qui malheureusement. Et encore une fois, le pari n'a pas fonctionné ici. Tentative de faire un chimie, voilà qui Idriss gagne, non. Chaud. La rapidité avec laquelle il finit le round, Kam. VN Raito, il exploite à 100% les ressources à Kam. Ah oui. Égalité, le score. Égalité, les ressources. Égalité, les rounds. Final round, un match très serré, mais Idriss et VN Raito. Pour l'instant, c'est Idriss qui commence l'utilisation des ressources là-haut. Face au départ aussi, A. Ouais. VN Raito en coin. Overhead bien exécuté. Ah là 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 là. Il a pas fait de anti-air. Oui, exactement. Yes. Il a donné l'occasion. Les chocs, Kakami, il a essayé un chimie, ça n'a pas marché. Oh, et une troisième choc. Bien. Voilà, bravo à l'Ekren Raito. Il va finir le match, l'exécution, le super. Voilà, bravo. Il va nous donner un peu chacun. Deux.
Partout égalité. Très bien, Sahbi. Qualité. Waouh, amazing. Mais les bdina ou les matchs qu'on a vraiment. Franchement, je suis content d'assister à ça en direct. On a vu qu'il y a eu des erreurs de part et d'autre. Les erreurs ne sont pas les C'est là où les erreurs qui ont fait le joueur et dit je ne vais plus refaire l'erreur à vie. Et c'est ce qui s'est passé avec Enraito. Il n'a pas laissé l'occasion. Il a le super le round. Il a fait les barres pour le round suivant. Il a fini son round. Il a utilisé sa barre de super. Donc je pense que c'est un conseil pour tous les joueurs de la journée de le live Twitch où là les mêmes ils vont revoir après la séance les ressources stables le round pour finir le round parce que là si tu finis pas le round c'est Aridon qui va suivre un arbitre. Oh Aridon c'est Aridon VN Raito Aridon Rashido Yajmaat Lkhair Rahm égalité l'Algérie le Maroc de partout VN Raito c'est lui il rahm le winning streak. C'est lui qui va enchaîner. Aridoun, c'est sa première intervention à du challenge. Rachid, Tarfo, Rachid Aridoun. Agressif. Ça va être un match électrique. Le match à l'électricité, Rahikoun. Je pense pas la défense, Rahikoun, j'ai fait le match. L'attaque. Je joue comme des attaqueurs, donc. Vivitini, ma kinj. C'est le rib de l'oul, ou le rib de En tout cas, Ado, chaque pays, chaque équipe, Ado, un joueur. L'Algérie, bra KX, ou le Maroc, bra Mehdi, Dark Sword, l'Imazamachinahamch. Oui, Barbe. Voilà, c'est ça. Donc, dès que la boucle sera bouclée, pour l'instant, deux, partout, Algérie, Maroc, 3 minutes. Au final, nous avons deux attaquants, nous avons deux côtés, nous avons Camille, et de l'autre côté, nous avons Rachid. Mais elle ne m'a pas fait J'adore, perso, à ça. Hey, là, j'ai bien pris ça en Maghreb, hein, Omer. Une grosse pression de la part de VN Raito et un très 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 bon anti-air IX d'Aro Aridoun. Donc Arana, observation, V-Trigger, Mazel Mascandosh, qui Aridoun, qui VN Raito. Et l'activation du V-Trigger, le coin pour Aridoun et il a raté son IX sur lui. Est-ce que Aridoun va pouvoir... Et encore une fois le bait. Le baito. Bien sûr. Bravo Aridoun. Pression, Kahla, et avec ça, Aridoun pour cette pression. Et Red Balak VN Raito, parce que la pression a dit Kinta Dera, ta Aridoun y'a Fidel. Aridoun, Jam Awul, qui m'a dit, Trelsroun, Beda. Et Trelsroun, parce que Rachid est depuis la pression qui a été dame, il n'y a pas de trace d'observation. Et. Il a raté son exécution du Enraito. Très bonne utilisation du V-Trigger au bon moment. Une pression incroyable de la part de Enraito. Maintenant, c'est au tour de Aridoun contre le coin. Un nouveau V-Trigger, il peut l'activer. Et encore une fois, il a raté l'exécution. Wesh, Aridoun, mais c'est un V-Trigger. Alors, dans la dernière minute, c'est le V-Trigger Diallo. Moi, Flour qui bec ma main. Comme ça, c'est pas un très bon choix. C'est pas possible. Il a eu ses raisons. Je crois qu'il a eu ses raisons. Oui, je dis encore, voilà. Balak pour parce que chef, il allait pas finir le combo. Voilà. En tout cas, premier match gagné par Aridoun. Chouf, le quand gagne le match, Rahikuno, Rachid et Camille, ils classent au fils du soir. Bien sûr. Parce que Rachid, ils classent au fils du soir. C'était rapide, c'est très, très, très intense. La qualité, t'as les deux joueurs, t'as les deux personnages. Alors, on soupe des top niveaux. Il y aura je crois qu'il y aura un changement de personnage. Oui, c'est la partie. Un choix. Je ne sais pas. Parce que VN Raito, la Allô, allô, c'est Smani. Oui. Je crois que voilà, déjà VN Raito, il a le droit de changer de perso.
sais pas واش غادي يختار لو perdant برك le perdant qui peut c'est lui qui a perdu le premier match donc il est bras يقدر يبدل perso mais juste et il a comme on a dit il est pas obligé il peut juste يبدل skin ou la يعاود يولي بالك pour casser le rythme parce qu'il m'a qu'on a c'est tellement rapide le premier match est tellement rapide بالك pour casser le rythme تاع اريدون مع رشيد il est sorti sur le screen caractère select stage select allez reprise du match qu'est-ce qu'on va voir de cas est-ce qu'il y aura un petit peu plus de prudence un petit peu plus de défense ou à l'attaque pour l'instant c'est à l'attaque la pression des deux côtés même le corner de Mihaf et Enraito le chimie la chope encore une fois de la part de Enraito. Activation, ouh, et Wuchu, l'activation du V-Trigger. Aridou qui revient sur le coin pour nous. Et peut-être, je dis bien peut-être, voilà le stun. Très bon choix. Match point. Eagle Spike X. C'est les mêmes. Ou l'Eagle Spike, il y a des cumulus en plus. Quand Mazamu l'a senti. Le match, oui. Le PV. Donc, il a confirmé. Donc, un Eagle Spike EX. Match point colonel pour Aridun, ce qui va mettre plus de pression pour Enraito, il a un comeback. Bonne défense pour l'instant Aridun. Très bon anti-air EX. Bien side switch, bien, very versatile card le punch, bien, c'est très bien. Very versatile side switch, oui. Parce que keep de la pression lâchée, mais qu'est-ce que je t'en ai ? Imbattable. Non, Spyro Arrow raté. Aïe. عقاب شديد je pense que c'est عقاد 1 اوو خليني في كنا سي ديم بريسيون كحله اريدو يعطيك صحه اريدو 3ème point pour Algérie ça va vite Hussein ouais ça va très très vite Ça va vite. Bon. Donc, il n'y a pas de suspense. Je connais qu'on a l'adversaire de Aridun. Ça va être Dark Sword, ça c'est sûr. Ah, le seul qui reste. Voilà, Dark Sword, Aridun. Au bout de la file. Dark Sword pour affronter Aridun. Aridun, Rachid, Dark Sword, Karine. Normalement, Karine, il n'a pas changé son mail. 300 mail, c'est toujours Karine. Un deuxième perso, eh. C'est Kage. Kage ou le Ken. Kage. Non, il avait dit Ken, il bête le Ken Kage. Normalement, il va jouer Kage. Donc, Kima Adana Morbil, ça va être avec une revanche. Le challenge Mabin Dark Sword ou Aridun. C'est ça. On rappelle que l'air pour 9-9, égalité, final round. Aridun Rebech, la dernière seconde, dernière frame Rebech Aridun. Et donc, Rahidji Maoul, Dark Sword, pour égaliser déjà 3-3 pour le Maroc. Et sûrement Tani pour se venger à titre personnel. Pour lesquels on va voir ce que ça va donner. Voilà, Dark Sword a intégré avec Karim logiquement. Aïe, Naharto. T'as pas remarqué fait le match d'il VN Raito mais Aridon, il y avait pas de DP. Le Kitlash Gab, quand Spike X, le Kitlash Gab on wake up. Mais derrière Gab. Mais derrière Aridon, Wello. Et aussi Vayne Raito, si je me trompe. Non, Dara bzaf, et c'est ça qui lui a coûté des punish. C'est ça qui lui a coûté bzaf les punish et les c'est bon, ça s'est lancé. Oui, de coupe à l'issue, je suis amené à la Foussam. Il y en a smack parfait. Bon, j'espère en tout cas que le live Twitch arrive bien. Donc, quand tu as dit il y a eu quelques... En tout cas, Aridun, j'ai pas vu, mais je touche d'air des DP. Je l'ai pas vu rater des DP. Et il a utilisé des DP en tant que anti-air ou Bli EX. Bad. Ouais. En tant que anti-air. Donc, mais il a fait quelques baits, le VN Raito. Il a d'air des DP ou Ratahom ou il a mangé des punish. Voilà, Ken, donc à ma cache DP, ma Karine. Karine Ken. كاين غير لي كونتر يلا بسم الله يا جماعه اريدون دارك سوورد اي
Qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, l'armée s'observe. FT9, c'est FT2. Il leur a dit... FT2, bien sûr. Il leur a dit... Yes, are you done? Sarah, attends, la même chose. Ah, voilà. VerDP, il a raté. Mais il fallait sortir. Il est beaucoup plus calme. Il est beaucoup plus calme, Darkstore. Bravo. Je pense que déjà au bon moment. Oh, il s'est fait de la part d'Aridon. Irréversible de la part de Dark Sword, pratiquement égalité. Je ne sais pas ce que tu as remarqué, mais. Il me semble que Dark Sword est prêt. Un light. Tu as Aridon? Mais quand je me stressais, Zef, quand je suis de la garde, dialogue tranquille, c'est Aridon. Je sais pas si tu as remarqué, il a changé le V-Trigger Tower à Lidl, d'être V-Trigger 2, pour contrer Karine, forcément. Ou Karine, Mehdi Dark Sword, alors où V-Skill 1 V-Trigger 1, forcément pour contrer Rashid. Je me souviens, la dernière fois, la V-Trigger à Lidl. La dernière fois, le défi m'a Dark Sword, quand la V-Trigger 1. Mais c'est pour ça que je te dis, pour contrer Karine. Parce que chef, lui, ça n'avait pas bien marché. C'est ça, là où il joue la qualité des joueurs, où il s'adapte l'adversaire Tao à la sable de la Tao. Ouh là là, bien exécuté de la part de Dark Sword. Des backdash bien placés, des dash bien placés de la part des deux joueurs. Franchement, un lab de qualité, là, je trouve un jeu de qualité, ils s'observent, ils font pas d'erreur, donc elle ne rend pratiquement pas d'erreur. Là, c'est Farah et une jeune Karine qui m'a dit ouh là là, ça switch, mais qui n'a rien donné. Un bon tech de la part de Aridon qui n'a pas fini le combo avec Melouch. Fizo Jarahum full et c'est bon, je pense qu'il va finir le round. Ah, t'es sur combo. Bien sûr, un finish remarquable de la part de Dark Sword, comme d'habitude. Hein. Regarde les joueurs Karine. Un finish remarquable, ou laquelle il a malheureusement pas fini son combo. Ça a failli lui coûter le round. Mais bon, il a eu l'intelligence de garder quelque part pour le deuxième round, pour le final round, justement. Mais quand je vais rester à Mikulush, Aridon à l'attaque, comme d'habitude, pour essayer de contrer, mais ça marche pas tellement pour l'instant. Combo light, Mishir, Jaul, corner, et la chop. V-reversal pour se sortir du corner. Pratiquement kiff c'est Aridon qui mène. Oh, un bon DPEX. Bien, mixer. Est-ce qu'il va mettre la pression? Dites un peu le mixer EX. Très bien, très bonne anticipation. La fin du round. Super. Oh, goodness. Ah, il y a eu un mind game de malade, mais Aridon. J'ai déclaré. كان عارف بانه غادي الفيرفيرسل ودار ان سو نوتر بلاصتو ديالو. برافو اريدون بيان جوي و بيان جوي تاني دارك سورد كي فريمون ما ساهلش لا تاش لاريدون با دي تو سي تري 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 ديفيسيل لي دو جوار. انا نشوف ان ماتش دو كاليتي راهو رايح ماتش دو كاليتي كيما تاع لو تشالنج تاعو فور لوستار راهو بيان سور الملح الملح والسكر ياكل الملح والسكر pour l'instant راهو 1-0 pour Aridon. شنو راح يدير Dark Sword pour essayer de remonter le score, de recoller le score. Bien sur le Rashid défense bien tech contre NG reversal bien contré bien. Regarde. Rau calme Aridon, calme, il défend bien, il n'y a pas d'erreur. Pas d'erreur, foot 6 pour l'instant. Bien calculé, ouverture Wahda, Hakmo Aridon. Ouverture, la chop. Tbouji Nhakmek. Oh là là, encore une fois un whiff punish, il n'a pas pu finir son combo. Had l'HP ta Rashid. Ah le. Oh le crush counter, il n'a pas fini, malheureusement. Oh. Un LP, un crouch LP. Fallait pas trahir du Mehdi, fallait pas trahir du Dark Sword. Khla rohu yroh fil corner, bashi du plus tahir du. Un bon EXDP pour se sortir de la pression. Dark Sword, kiff, bon full 6. Ah, d'abord, oula. Nam Hussein. Voilà.
Bon, Harry donnera un full CA. Donc, Red Bulk à la roche Dark Sword. Bonne exécution du combo. Il push vers le corner. J'ai du corner. Hayes, il est pushé vers le corner. Et encore une fois, le corner. Voilà, le stun. Bien exécuté. Le round pour Mehdi Dark Sword. Dark Sword a une balle d'égalisation ou Aridoun a une balle de match. Donc il va gagner. En fait, Aridoun m'a utilisé le CA dans le round qu'il a fait. Ouais. D'abord, c'était juste pour faire la pression. Perdre Rachid. Oh non, le backdash. Le backdash, ou le combo light suivi par un mixeur, Dima. Je pense que là où c'est plutôt footsies et défensif plutôt qu'offensif. And Aridoun. Fizouj. Mais bon, Mehdi, il est obligé d'être agressif donc d'attaquer. Mais il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Aïe. Bien sûr, contre les Eagle Spike. Oh, elle suit backdash suivi par un combo. Bien joué, Darkson. Bien joué. Bon, Aridoun, dis-le à Hamoulik. Dis-le à Hamoulik, gardez-le. Chalpa, gardez-le. One. Frame, tu as le V-Trigger, Rachid Slam pour mettre la pression. Béha, mais de la pression, Béha, Rachid, Aridoun, vainqueur du FT2 contre Dark Sword. Bon, ça fait 4-2 pour l'Algérie. Aridoun est toujours en course pour continuer. Vengeance. À partir de maintenant, Khlas. Oui, une bonne. Donc, la boucle d'Ert, l'équipe marocaine. Donc là, on va savoir Shkoun Rahikoun, le prochain joueur. Est-ce que ça va être Freezer qui va me trouver la boucle pour être bouclée? Ou là, ça va être un autre joueur? On va voir. Ou Fkro comme Britannia, il y a la possibilité. Hossam, Fkro, les spectateurs, il y a la possibilité de bannir un personnage. Je pense que c'est pas encore le moment de le faire. Je pense que Zidwich Leushuya, ça avance. Fkro, c'est un FT12 tonnage. Et l'arm 4-2, donc Mazel, je suis Al-Had. Et l'objectif principal, c'est d'essayer de garder le maximum de ressources. Il a banni Doka, Rachid et Aridoun. Ouais. Il y aura d'autres joueurs qui vont venir. Il y aura peut-être Kami, TKX, ou un autre personnage TKX qui va être plus agressif. Pour l'instant, c'est la phase d'observation. C'est la première boucle marocaine, Lindel. En Algérie, il reste encore KX, les Mesamesh Finash, dans quel état la Rouy Lab? Dans quelles conditions la Rouy Lab? Conditions morales et internes. La fausse taille, donc Anali Mahabach. Est-ce que ça va être Climax? Est-ce que ça va être Freezer qui va jouer contre Aridoun? Ou là, quelqu'un d'autre? Voilà, ça dépend de la décision qui sera prise. Moi, je voulerai la bonne personne ou le rire. C'est ça. Et pour ajouter un truc légal à Ahmed, c'est que l'option de bannir le main de l'adversaire, c'est possible une seule fois pour le défi Kamel. Exactement, une seule fois c'est efficace. C'est fini. Cette fois, c'est comme la Resurrection, des options, peut-être maintenant déployer une seule fois le défi Kamel. Exactement. Voilà, est déjà fait, je crois que c'est H2 qui va jouer. Là-dessus, je vais descendre. Non, apparemment, c'est Hossam qui va jouer, c'est Don Miguel qui va jouer. Ou donc, c'est Ahmed qui va jouer. Là, c'est H2 qui est revenu. C'est H2. Peut-être, chef, il va pouvoir contrer Aridoun, il va pouvoir contrer Rachid, peut-être. En tout cas, c'est le retour qui m'a rendu la mort, le retour d'Irahan Sennaou et Ajdou, qui va revenir forcément avec un style différent. Où on a Ma'andouche le choix. À la Khatar, Chefna, la pression de Rachid, elle était immense contre Camille et contre Karim. Donc, l'objectif principal est d'essayer de soit jouer très défensif pour calmer Rachid, pour calmer Aridoun, ou là, au contraire, jouer très offensif pour ne pas laisser de choix à Aridoun avec son Rachid. On va voir où Shrahi sera fait le match. On va le découvrir tout de suite. Yes. Nfarhou Shabiba ou Damzal? Nfarhou ou Mazal? باقي مازال في الحال خلاص من بعد زيد نصبر شويه نصبر شويه لهم تيزر هكذا باش يحكوا معانا دري ان شاء الله لا فان ديال ليفينمون يوغا اون ريفيلاسيون ديال ان نوفو بيرسو ستريت كوكو ها
انا ندير لكم لا ريفيلاسيون ديال هاوليك نوفو بيرسو كاستري هاوليك بدا الماتش عندك انا مازال راويته بليز ويت عندي كيف كيف بليز ويت بليز ويت بدنا بليز ويت بليز لا ما يقولش بليز شاو كان ما يقولش بليز ويت ما عرفتش اش كيتقطع الصوت ديالي ديما في ستريم ولا جو سي با الدراري في لي كومونتير ما يخلي واش الصوت ما انا راني نسمعك سا سكوب سا سكوب حسين سي هوريبل خاص دير كونفيغوراسيون كيلكو بار سا دير او نيفو ديال تويتش انت كتسمعني كلير كتسمعني كليرمون في ديسكورد سا سكوب من داك دونك حتى في ديسكورد سا كوب وي ريفوار هاد لا كونفيغ اللي عندي هنا ça a coupé je sais pas si tu as coupé ou là oui ça a coupé donc apparemment l'un des joueurs du salon lounge Capcom please ah bah oui voilà maintenant les deux joueurs là-bas. Ok on croise le match se lance. So, كنا نقول لكم باللي أريدون مازالوا في winning streak. C'est le troisième match تاعو consécutif. غلب VN Raito وغلب Dark Sword. وكأجدو راه جا باش كيما مقبصات مع إدريس باش يحبس له المومنتوم كيما إدريس جا باش يحبس المومنتوم تاع فريزر. L'objectif c'est ça, c'est que إذا لو جوار يلقى روحو في غردو, ça va être difficile de l'arrêter من بعد. Ouais. Donc les match-up, c'est très important le choix des personnages, le choix des characters pour contrer le joueur. Ou alors, il y a l'autre point, c'est le mental. Comme Rabil, tu l'avais bien deviné, Houssam, qui a adopté la vie en Raito, parce que Balak, c'est la bête noire de Idriss. Mm-hmm. Et chef, Bli Hadak Nahar, d'Adou, la pression qu'il a fait le challenge. Et que c'était ça qui pouvait arrêter Idriss, le winning streak Tao. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Oui. Donc, c'est bon. Il n'était pas vraiment motivé. On a dit le Kantaï Bzef, ce qui a causé la perte inattendue de la part d'Idriss. Parce que tout ça, même ici, nous, en Maroc, on connaît très bien le niveau Diallo. On a vu pas mal de matchs Diallo. Le palmarès Diallo. Et quand on a vu avec le moment, c'est très bizarre. Ce n'est pas Idriss qu'on connaît. Même si on a vu le niveau, c'est ça, on a vu le niveau d'Idriss, je suis là le niveau, mais il n'y a rien à dire, mais c'est parfois le côté mental, l'aspect mental, pour l'instant, Rawiban a un عقدة مع VN Raito, ce qui fait que c'est la bête noire d'Idriss, donc si Idriss ne se sort pas de cette عقدة contre VN Raito, il aura du mal pour dépasser cette les challenges هذايا ولا les challenges qui vont faire les FT10 ولا un tournoi بالك offline inchallah راح يكون après tout ce qui est confinement etc. Allah on l'espère bien inchallah après le confinement on dit que ça انا مازال في بليز ويت même tu mazalak بليز ويت انا donc هذا c'est un problème inchallah merci Capcom inchallah il y aura pas de problème dis-moi صاحبي faites-nous un serveur africain صاحبي حطونا شي سيرفر في افريقيا صاحبي ce genre de problème. Là, on est pas بلاد. On est pas قاره كاع مي صافوش كاع بينا. راك ما كاينش كتقولي لافريك يقولك اه مي تي با نوار. وما كاين يوم يبونس افريك فيها غير لي نوار. سي جور. لي نوار ماشي بنادم. اوني توس افريكان اوني توس ومام دون لو باي ريسبكتيف يا دي بلاك يا دي مارون يا دي روج يا دي سوفر دي جون يا دي تو. لي كيقول لك فين كاين تاي لو ماروك ايلي او كتقولي في لافريك كاع مي تي با نوار. C'est bizarre. Alors là, c'était Algérie. Nigeria? No, Algérie. Ça a toujours été allé. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Kharjo Aridun Ajdou.
Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce que c'est, Menand Aridoun ou Menand Jdo ou Menand Dedo. La connexion, Mita. Tu as de la coupure, tu as le son, tu as, je crois que c'est dû à la connexion. La connexion, il est quelque chose. Sûrement, peut-être, je sais pas. Bon, alors Aridoun dans Jdo. Ah non, c'est n'importe quoi. Aridoun et Aridoun. Tu es. C'est bon, Alhamdoulilah le joueur. Yalla. Ah. Ajdoura. Tiens, ouah, nous tout d'abord. Mais écoutez, monsieur Mouchkil, on va pas perdre. Ouais, on passe à un autre joueur, je pense. Aridoun versus Don Miguel, ça va faire de la benne d'abord. Here comes a new challenger. Je vais occuper la place de Jdo. Yak. Here comes a new challenger, Don Miguel, is in action. Ah, راح ندعكم شوفايا. Bon, qu'est-ce qu'ils vont prendre comme décision? Est-ce que je dois aller ici ou là? Il dit un autre joueur à la place. Ouais, je crois que c'est possible. Selon la décision. Freezer, je pense que c'est Freezer. Voilà, je dois aller à ta place. Oui. Mais je crois. Ah bon, Aouja. Voilà. Aïe, Ahbad, Don Miguel. Il a pas. Inch'Allah, ça va marcher. Aïe, Ajdo. Yalla, Yajma'a, bonne partie. Inch'Allah, ça sera la bonne. Inch'Allah. Moi, j'espère. Habasna téléchargement, Ajdo. Allah, y'aïk, Ajdo. Habasna téléchargement. Ajdo, barakam téléchargement. Barakam les torrents. Barakam les torrents. Les torrents. Bouki, tu es avec la police. Aridoun, حتى انت بارك مطيري شارج Aridoun راه 5 بار راني نشوف بايف شي كيبان كو 5 بار يعني ما كيتيليشارجي ما والو فهمتيني ترونكيل بون ان شاء الله سا بيان سباسي بور لانستان مازال بليز ويت الحمد لله نورمالمون سي بون اوف ماشي خبي فوالا دونك قلنا لكم رشيد Aridoun Akuma, Ejdo. Mais ils ne sont pas de challenge, c'est leur premier match dans ce challenge. Algérie versus Morocco. L'Algérie 4, Maroc 2, c'est pas joué. Rien n'est joué, rien n'est perdu, d'un côté comme de l'autre. Donc bonne partie, Zahiouna, Ouréouna 1 pour match. Et pour l'instant, c'est une even, Naram even, d'un côté comme de l'autre. Un très bon cross-up de la part de Aridoun. Pour l'instant, c'est la pression. Oh là, le stun. Easy peasy, comme on dit. Easy peasy pour arriver. Ouais. C'est bon, bien. Il s'en est bien sorti l'activation du trigger. Switch et go Shoryuken de la part de Ajdo. D'abord, corner qui est Aridoun. Aridoun qui rouge boit par les cas. Créé l'IM le corner. Activation du trigger et c'est fini. Bien joué. ما كاينش يا مرحمين هنا كيف كرب قبل بتريجر دو اريدونا وبقى البتريجر دو نورمال بقى به وي لا با شونج واو لو بيت اي لا بيان جاستو اجوتو تري بون جارد راهو فول سي اي وي دونك سافا ابري سو كومونتير اي لو سي با ان بيف جو بونس كيل ا بيان في لا ليكتور سايد سويتش Wall side switch. Bien. La pression toujours là. Allez, bien. Bien joué. Ah, le backdash, ma cache à Zmidero, il a pris le coup. Alors, Aridoun, il a profité de la situation, mais il a dit les down, crowd, il a dit le kick. C'est ça. Le combo d'Yellow. Bon, pour l'instant, le zoning grave derrière. Bonne exécution de Aridoun qui met à égalité les deux joueurs de points de vie. Un bon Walk Shimi. Et l'exécution qui reste un. Malhaqch. Malhaqch. Activation des triggers de l'HD. Activation. Oh, il n'a pas pu faire parce que Ken saute. Ken est sauté. Aridoun, la paire, Mahmoud. Wow. Avec les boules. Bien joué. Bon, mais ça y est, Doli Aridoun. Mais normalement. Il a voulu esquiver, mais l'activation de trigger, c'est pour ça. Pour piéger. Qui m'a les boules de glace à Connie? C'était comme ça tout à l'heure. So, bien sûr. Side so. Oh là là, X-Pike. Bien joué. Oh là là. Voilà.
Bien sûr, Eagle Spike. Et voilà, il va finir. C'est fini, c'est fini. Parfait. Un perfect round. Le challenge. Bien joué. Oh, le perfect. Premier perfect, challenge. Effectivement. Tu as raison. Premier perfect, c'était contre Aridon. Aridon, il s'est imposé comme pas possible. Très bien joué de la part des deux joueurs. Hein. Avec Aridon qui goulait Anna Lakabil Mersad. Yalla. Ou Rani Hena. بارك الله كاع لي جوغ كاملين باقي واحد ما شفناش هو كايك جينوسيد ما عرفناش كيفاش غادي يتوا يدخل سخون ولا غيدخل كيفاش اي جوستمون فوالا دونك سا بيتر اون بريسيون زياده على كايك باسكو كي سي با كي يجي في وسط هاد اللعب هاد لا تيم بون بور لاستون 1-0 بور لالجيري 1-0 ديموني با اريدوز واش تحب نقول لك لا يصوب سير راه واش صايب زعما فايس اي بروفيت دو شاك اوفرتور اريدوز Oui. Bien, Spike, des kicks remarquables, Asifa, Spike, bye bye, Arjal. Oh là là, Asifa, X. Bien exécuté en EX. Ou le corner, le corner, et la chambre pour finir. Ou chouf, je dèle, Kassou Hadik, Shouya Light pour le Grey Life, le Grey Light, Health. Dimitri ne marchait pas. Il ne marche pas, ma Aridon, apparemment. Ouh, derrière un petit délai, mais cher délai de loin. Crush counter. Oh, crunch. Bien joué. Exactement. C'est le premier DP anti-air des chutes au Nadash d'eau fin de la partie. Wall size switch. Bien sûr. شوب ولا لا لا ما دارش شوب ما دارش شوب بريسيون 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 راهو على بالو راهو على بالو اجدو ما راهوش خايف راهو على بالو واش ميدي بكيك الو بريسيون لو بريمير با مارشي لو شيمي ما مشاش بيان اكزيكوتي ما يكملش حيقعد له شويه حيقعد له بريسكو اون شوب بوتيت ولا لا ما كانش عنده ايجل سبايك كان بعيد كان بعيد وي سي بون ايغاليزاسيون في الراوند اجدو فاينل راوند بصح شوف اريدون راهو فول سي اي Donc il va mettre une pression un double balle de match. Donc Ajdo, tu mets une pression, voilà. Ça rigole pas. Voilà. Il faut être calme. Donc, là, calme. Pour l'instant, il joue très bien, il joue calme. Alors il met une bonne pression à Ajdo. Voilà qu'un Aridon, la pression t'a pas tapé. C'est la brachie de Zmidkun. Pas beaucoup de télécité. Activation du V-Trigger, le Eagle Spike. C'est le maximum. Bonne défense, très bonne défense de la part de H2, à laquelle il a pris la choc à Aridon. Bien, Hado. Bien, Hado. Bien, anti-air. Très bon anti-air. Mixer. Ah, Makasouche. Ah, c'est fort. Ouh, Ah, il a pas fini son combo. Normalement, il a fini. C'est bon. Bravo. Bravo, Alik. Light. Mixer. Oh. Mix 2 et 1. Ouais, bravo, c'est 2-0. Ouais. N'a pas gagné. Et ça 2-0. Fait un total de 5 parties, 5 victoires pour l'Algérie. Et 5-2. 2. Et c'est le 3e match consécutif. Allez, donc 3e victoire consécutive. Allez, bon. Ouais, bien joué. Ouais, là, d'abord, je crois, climax directement avec Aridon. غادي نشوفوا فريز درش هما ils ont l'habitude de jouer ensemble عارفين وي كيعرفوا بعضياتهم كوم كيفاش كيلعبوا حافظين باركور مزيان دونك غادي نشوفوا انا جو سوي سور ان الماتش غادي يكون حامي بزاف وي باسكو اولا كيما قلت مهمين يلعبوا كيف دوزيامون ليكسبيريونس شاك انديفيديوالمون عنده une très grande expérience des jeux de combat en général mais particulièrement Street Fighter. Donc on va voir ce que ça va donner. Houssam, tu n'es plus là. Toujours, mais il y a une déconnexion. L'image. Je ne sais pas où je suis allé. Elle est à mon tarh ou là. C'est mon tour. Et qui est mon émissaire? Rami Chouf. Allez, Rami, je vais commenter en attendant. Je vais me reconnecter. Très bien. Allez, je suis là. Merci, Don Miguel a quitté le stade. Très bon, merci. Crapcom, à chaque fois. Là, la crapcom. Bon, début du match, ma bien Aridon au Freezer.
c'est كما كنقول لكم مع حسام سي كان ماتش تري 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 habituel ممكن يلعبوا régulièrement arrivons au Freezer is going sparker ولكن Freezer il a fait un bon bait là j'ai dit le EXDP et le stun pour Bison. هو يدير لا بريسيون كحلا رانا نسمعوا حنا رانا نسمعوا فريزر راه يلعب رانا نسمعوا لو ستيك تاعو لي بوتون تاع ستيك رانا نسمعوا une très 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 grosse pression de la part de Bison. Il a utilisé le V-Skill 2 toujours dans la même configuration V-2 V-Skill et V-Skill V-Trigger 2 V-Skill 2 Aridun qui n'arrive pas à يقرب من Bison كيما لازم donc il est très prudent. On a oublié la défense de la Bison, elle est impressionnante. La défense et l'attaque, elle est cool, pratiquement cool, je suis plus. Et la pression, cuire. Oh, la chope au bon moment. Bravo, allez, allez, donne. Ah, ouais, tiens, attends, mec. Marche, babic. Labor kick. Bravo, 20 secondes. Je vois que le match est trop par rapport aux autres. C'est vrai que Krasha, il a bien gardé, allez, donne. Adelo, je suis arrivé trigger, Freezer est bien. Je trouve la différence bien le match à 14 secondes ou je trouve les autres matchs quand ils classent 70. On voit une grande différence la tactique, la stratégie, ça joue beaucoup défensif. Et tu m'as dit c'est les deux joueurs qui arrivent pour bien à la perfection. Donc je cherche que là où est-ce que tu as donc le deuxième match c'est ça. Déjà dedans. Une grosse pression de la part et voilà le stun. Une grosse pression de la part de Freezer. Le corner et Aridun a soufflé pour l'instant. EXDP pour s'en sortir. Activation du V-Trigger. Est-ce que Haïd Rabdo Asifa? Oui, Rabdo Asifa pour contrer. Voilà, pour contrer. Bien exécuté. R Eagle Strike. Asifa, Mixer. Qu'est-ce qu'il va faire Duka pour s'en sortir? Ah bah, classe. Voilà. Freezer, il a fini le round, il a fini le match. 1-0 pour Freezer, 1-0 pour Maroc, fait le FT2 de Nabil, Freezer par les deux. Deuxième round, quand rapide par rapport à l'autre. J'ai vu un upstream. Pour l'instant, je ne suis pas encore synchronisé avec vous, le salon. Ça va revenir. ولكن ce qu'on doit retenir dans le premier match c'est que Aridun جاي le Freezer باش يقول له calme-toi je vais te calmer كيما كان Aridun joue différemment. Je remarque un style différent de Aridun. ما راهوش يسق بزاف في Bison parce que Bison نعرفوا كاع les options تاعو les coups تاعو يوصلوا بعيد hitbox تاعو بعيدة. Un cross-up bien exécuté de light de la part de Aridun qui remet Bison sur le coin. V-reversal. Oh, le headstamp pour. Ça joue pas mal. Un trade en faveur de Bison. Eh bien, je suis. Là-bas, c'est au tour d'Aridun de presser Bison sur le corner d'abord. Oui. À chop. L'activation du V-Trigger de la part de Bison. Non, V-Reversal. Donc il n'y aura pas de. Voilà, un deuxième V-Reversal. Donc il n'y aura pas d'activation de V-Trigger. Bravo, Ali. Franchement, bravo, Ali. Fierce, mais Inferno. Caesar X. Vraiment, bel calme. Bel calme. Il a été très calme, il a géré son match jusqu'à la 50e, 60e seconde. Mbak Kumel, le jeu au final. Solidage, des skills, bien sûr, plus en bloc. Des skills, plus 1 en bloc, voilà, plus 1. Aridun qui cherche une solution, pour l'instant, on a pas une solution, on a une full ressource. Backdash, l'Ikhila Aridun. Punish il y a Freezer. C'est un whiff provoqué. Et deuxième shop. Je reste stonné. Non, je crois pas. Et une troisième shop. Mais il stonné parce que là, on va virer vers le A, nous devons stun. Un vrai chimé, on va aller chimé bien. Shop. Et la quatrième shop, Bibihar Baharidon. Égalisation. Freezer a toujours balle de match. Ou Aridun, balle de 1 partout. Oui, bien joué. Oh, il va y avoir des R2R, mais.
il joue beaucoup mieux, Arid. Il joue beaucoup mieux. Je vais vous donner le carte viseur. Je vais vous donner le carte viseur. Et le sweep. Et le sweep. Et le sweep la bise. Voilà. Roundhouse, mais j'ai tué. And H-wheel. Oh, waouh, waouh, waouh. Allez. Bon, Mixer EX. Mixer EX, on va le. Super, waouh. Bien, bien, Arid. C'est un bon bait. Allez, grand but. Excellent. Il l'a provoqué, mais il est super. Au fond, l'écran. Bien exécuté. Bravo à l'écaridoun, un partout, égalisation. Donc, on va voir un final match. Ouais, un Obama final round, Daniel. Voilà, c'était la réponse à Aridoun, qui m'a dit qu'on ne sait pas comment il va réagir. Calme, hein. Pendant le match, je trouve qu'il joue mieux, il joue plus calme. Il fait moins d'erreurs, moins de. Au point où il a provoqué l'erreur, t'as Freezer. Oui, oui. Donc, on va voir comment ça va se passer. Air to air, joli, suivi par Inferno, oh bien, chop de l'Aridon. Ah, oh, sweep. Et le sweep raté. Risqué, c'était trop risqué, mais je vais trigger, je sais pas. Risqué, mais je vais trigger, exactement. Personnellement, dis Macandero, je prends toujours le risque avec le sweep, dis Macandero. Et là, j'ai Abdullah Tissier, c'est trigger. C'est punition. Là, parfois, quand il le centre. Oh, ah, très risqué. Il est vraiment bien. Il est gris et là. Aridon a bouffé le stun et effectivement il a eu le stun bleu overhead et la fin du round pour la première fois à le 7 c'est Aridon et Alou une balle de match. Une balle de 7. C'est, vous avez raison Dreri, Aridon is on fire bien sûr. Oui, et... he's on fire. Freezer can have cassé le momentum tao. Finalement il a réussi à recover his energy, his momentum. Et pour l'instant, c'est toujours Aridou qui met la pression avec un crush counter et le mixer le coin. Est-ce qu'il va continuer le shop throw escape? Un bon tech de la part de. Et le sweep de Fiharab le coin. Bien exécuté de la part du Freezer. Bien sûr, Aridou. Voilà. Très bien, très bien. La shop. Voilà. Yes. Et le sweep avec V-Trigger, l'activation. Backdash. Aridou, Khalda, Mirdelchi, exécuter le combo Tao Freezer. Alors, pratiquement égalité de les ressources. Pratiquement égalité. Ah, le dash de Freezer, il a complètement. Devil Reverse. Oh là 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 là. Rex. Bien exécuté le EX. Bien exécuté le EX Mixer pour contrer. C'est un anti-air bien exécuté. Spike raté, punition. Aïe aïe aïe, punition Kubera, punition Kubera. Et la chance pour final round. Psycho Crash. Prochain, Kima Kolna. Final round, final Fine. Match. Qui va gagner Dreri, Aridon ou le Freezer? Je mets les comptes au moins. C'est vraiment indécis, c'est vraiment indécis. Marish Baina, tech. Ah, cross up. Marish, je me le combo de light. Oh, joli anti air. Waouh. Bien. Cross up, Majesh, cross up, genre. Vraiment. Blast Kibera. Bonne défense pour nous. Très bonne défense. J'ai vu que Aridon, il a complètement changé son style de jeu, fait des matchs Kamri. Bon anti-air tenu de la part de Vision, Freezer. C'est un air-to-air blight. Toujours. Mixer. Pour un petit Freezer. Très bien, Aridon. Oh là là, c'est trop. Il y a une deuxième shot. Oh, c'est trop dur. Oh là, Diane, Devil Reboot. Reste. Il n'a pas pu le faire. Bon, voilà, l'activation du V-Trigger de la part de Aridon. Un double ressource, un double triple CA. Psycho Bomb, pas de shop. Là, oh! Ah, le fake. Ah, bien. Bien joué, Freezer. Très bien joué. Bien joué. Très bien, très bien. Ce qui fait le score de 5 à 3. 5 à 3, exactement. Bravo, Freezer. Franchement, chapeau. Bravo, Alec. Supporter l'Algérie, c'est clair, parce que voilà, je suis algérien. Mais là, on a vu un beau spectacle. Aridon qui menait, mais Freezer, il a défendu Kim El-Azim au bon moment. Il a placé avec le Psycho Bomb. Psycho Bomb, Hadik, Lichilatou, Yadrikum, le combo pour extendre le combo. Et bien évidemment, stun après stun, c'est fini. Bravo Aridon, en tout cas, avec Saha, tu as gagné 3 matchs. C'est pour l'instant le biggest winning streak. Yes. Longest yes. And biggest winning streak. Faites le tournant, faites le challenge. Tu connais Rahikoun, le prochain Fdzair. Hussein, CKX. C'est lui qui reste, ouais. Anna, je look forward to seeing him. La barre, c'est chauffeur. Bref, chauffeur vraiment. J'ai hâte. Me too. I'm looking forward to J'ai hâte. Et t'as vu la dernière provocation?
chez la provocation d'il Bison, parce que normalement Bison, quand il te fait avec le psycho bomb, un de deux choix, c'est soit Kidashi qui chope, soit Kidashi ou qui un combo suivi par l'explosion des psycho bomb. Lui, il a provoqué. Ash nous gal Aridon gal, un arme plat. Il peut choper, il peut dire un combo light. Ce qui fait où il a provoqué le mixer X Diallo pour qu'on garde, mais il commence le combo Diallo, mais il explose. C'est incroyable. Mais it's good. Mind game entre les pros, voilà. Voilà, ou d'un côté comme de l'autre. واحد يقول له انا ندير هكاك ما ديرليش. Et du coup, il a provoqué enfin les autres ils sont provoqués en fait. Aridon قال له ما حاش ديرها ou dara Freezer. il poussait Aridon à l'époque. Ouais. Et c'est certain le charme de Bison fait de la configuration des Taos, c'est que les deux V-Trigger en fait. Le V-Trigger l'eau, il va décider dans tous les sens, donc tu sais pas de quel côté il va tirer, tu sais pas de quel côté il va sauter. Et le V-Trigger 2, tenez, on a l'option, on sait pas si la bombe ou parce qu'il va choper, est-ce qu'il va faire exploser la bombe. Exactement. Bon, oui. Freezer va affronter KX, donc là, c'est au KX titre le film. Ah, le classico des Street Fighter, KX Génocide. Ah, Freezer. Classique. Allez, et que ça saute. On va voir. Il n'y a pas de KX, le salon d'hier, non ? Oui, c'est bon. Il y a l'air d'y inviter d'abord. هاي كاX كل الأنظار موجهة إليك سنوكيك ينسير دابا نابطو أخوي نابطو نزلو أخوي لتحت تفضل كاX أفضل مشكورا ولا دونك الدرني جوار على الكيب دي زد نيوا كاكس جينوسايد اكو تعرفو كاع يلعب كامي تاعو غني عن التعريف جوور يعني غني عن التعريف كان معروف بان ستيل تري بارتيكولير اللي هو جامب مان ناركام لي صوتي ولكن الى بوكو شانجي سون ستيل دو جو سورتو لي تبعو لا فينال ان تورنو كاع تاعو في الاورانج اي سبورت اكسبيريونس نقص بزاف لي جامب تاعو مي بون Il a eu l'occasion de lire un petit peu le jeu de Dark Souls parce que ça arrive que l'anti-air de Karin il est trop complexe. Mais je dis anti-air Karin complexe. Hua gal tant que Sword n'arrive pas à m'anti-air, ben je vais continuer à sauter. Simplement, c'est du mind game. Mais ça contre HSN qui joue justement à Rashid. Les Andou des anti-air, moi le figure en gros, Aridon, justement. Donc il a l'habitude. C'est là où il avait carrément changé son. Donc il a montré qu'il avait la capacité de s'adapter à l'Hassab Abdassar Tao et selon le niveau Tao. Donc pour l'instant, on a un match assez équilibré. C'est à ce moment précis. Il est Crush Hunter et il va le pousser vers le stun. Oh my god! Et la chope. Ah, quand il a le train! Un très joli combo, bien sûr, Bison a précisé. Et ce qui compte plus 2. Donc il compte plus 2. Un freezer. Très schoon de rendre le Oled. Mais c'est pas encore fini avec Genocide. C'est son premier match. C'est pas encore fini. Premier match alors que le premier gars a beau plusieurs matchs. Surtout Freezer qui a joué. Il a joué trois matchs, donc la contre Shin FDK, la contre Idris ou la contre Aridon. Donc il a joué contre trois joueurs et c'est son quatrième adversaire, Freezer. Donc Freezer en fait c'est pour l'instant seul joueur, il a contre Gal et Zajari. Ouais, c'est déjà vu, ouais. Voilà, Spyro Switch, Karim, là c'est Cannon Spike. خاصة تنقذوا بيان سور خاص واحد العبار بيان فريمون بيان بريسي باش تقدر تكون سيف في هذاك كان ديال دونك سي با ايفيدون سي با فاي ريفرسال بيان ريفرسال سايد سويتش او هرب عليه باسكو على بالو بلي عنده لو سي اي وي عنده لو سي اي بالو بلي لو كان يقرب منه كيما لا فوا دونك فوالا مود زونينغ
I'm almost winning. Les foot scissors are très 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 chaud. Les foot scissors are très 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 safe. Wow, what a shimmy! Oh my god, shimmy punch between punch, suivi par un scissor X. You win. Obvious. Bien joué. Freezer. Qui me contrôle Mourbil, Rahou, premier match Tao, KX. Ouais, je crois que c'est normal. Ok, Masren. Voilà, il va être match comme étant un match de d'échauffement pour KX Génocide. Donc on peut pas se plaindre à Khatro, c'est pas encore fini. En plus, à la rencontre qui m'a contre le joueur, il a contre tous les Algériens. Freezer, c'est le joueur qui maintenant classe. Il a eu le temps de tester tous les joueurs. Donc il a la tâche difficile. Ando Mohima Saïba Bizaf, KX, fin du match. Wellakin, je pense qu'il va s'en sortir, et voilà, le combo. Joli punish. Le dash de Bison, il est prévisible. Et le Bireversol pour se sortir du corner. Encore une fois, Bireversol. Donc, je pense qu'il n'y aura pas d'activation de V-Trigger pour KX, pour l'instant. Parce qu'il a fait deux fois le Bireversol, donc Et bon, Mazel, il prend encore le coup, il y aura la possibilité. Jolie pression. Et très bonne défense de la part de. Ça n'a pas marché. Freezer n'a pas craqué. Oh là là, Psycho Crusher, bien sûr. Obvious. Bravo. C'est normal. Balle de match. Balle de match et balle de 5-4. Oui. La shot. Exécuté qui met la zone. KX, il n'a pas tellement changé son style de jeu. Pour l'instant, il est calme. Choui agressif. Voilà, mais Choui agressif. Peut-être que... Ah non, pas des erreurs, Edou. Pas des erreurs, KX. C'est des erreurs à ne pas faire. Niveau lag. Lui a coupé. Il est alors. 50% là. Wow. Ok. Yo, il a gardé une barre. Ah, Freezer n'a pas craqué. Mais il chimèche, Freezer. Le chimie même chèche, fait. Voilà. Activation de V-Trigger. Zian. Bien joué. Très très bien. Avoir activation de V-Trigger. Rassoudaro et une ouverture, mais je voudrais dire le combo dialogue. Parce que sinon, ça devient un peu compliqué pour lui. Bien joué. Ouah, joli bait. Zian, au lieu de chimèche. Personnage. Personnage. Tu sais pas à quel moment. Bien joué. Toujours balle de 2-0 pour Freezer et balle de 1 partout pour KX. Et là pour le spectacle, Madabi, il y a KX et le Bahak, ça va rendre les choses plus intéressantes. Ou Tani KX, il trouve la compétition, il trouve le match KO. Très 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 bonne pression de KX, il fait beaucoup moins d'erreurs. Qui réussit ses combos, qui ne fait pas de whiff, qui m'a manqué. Waouh. Il est très joli, waouh. Bien joué. Avec Génocide, bien joué. Un partout. Très bien, un partout. Zian. Donc, je pense qu'il est rentré dans la compétition. Tournoi Tao. Et c'est le premier match, il ne faut pas l'oublier, donc laisse-moi la compétition Tao ou maintenant ça, je vais faire le challenge, un homme les joueurs 3 vies. Donc, je vais le work bizarre, ou t'as dit, je les vis bizarre. Ouais. Donc, pour l'instant, les joueurs marocains gars, ils ont épuisé une vie, ou les joueurs algériens gars, à part KX, ils ont épuisé une vie. Donc, pour l'instant, tout le monde a. Si c'est Ajdo, lui reste une seule vie, par Kaliwahda. Il a consommé deux vies, Ajdo. Ouais, deux vies, exception d'Ajdo, il n'a pas fait une seule vie. Quand tu fais un badge, je vais mettre le wall, je vais activer le moment de Resurrection. Resurrection, ouais. C'est selon le match-up, selon. C'est optionnel, là, c'est pas obligé, mais c'est ça. C'est ça. Alors. Mais l'option Kayn, ou Kayn, l'option Kayn, il ban. Pression clair de la part de KX, Wellakin, il s'en est bien sorti. Virreversal le charab le corner, très bien de la part de KX. Visible. Et l'exécution de son combo en MP, Crouch MP, et la chop
pour la première fois en l'intérieur de FT2, c'est KX qui a le match point. Oui, 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 oui. Après le champ. Le melha, le melha ou le sucre. Le melha. Le melha ou le sucre. Dis-le à la ronia. Le melha ou le sucre. Le melha ou le sucre. Bonne défense de la part de Freezer. Ah 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 ah. Il y a eu le Cooper. La cache Cooper, là. Non, 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 non. Le melha. Le V-skin, très bien exécuté de la part de. Aïe full resources. Bien joué, Crush Light Kick dans les shops. Ou mazal, Psycho Bomb. Psycho Crusher, what a mix up. Le stun. Bye. Freezer, bravo. Waouh, le mix-up de la Sahbi, waouh! Gars les joueurs, surtout ta Khalid direct après le match, gars les joueurs ta Bison, t'achetfou à la Mosrad Hadaï, t'achetfou à l'aide parce que franchement ce qu'il vient de faire, c'est problème X ou capable de la Wish ou Khalid. Ouais. Donc on a vu un très 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 bon mix-up de la part de. Oh! Belle position du Cannon Spike. Wouhou! Un DPEX. Aïe aïe, d'aller au full vite, très mal. Voilà le deuxième. Et un très bon entier. C'est bon, alors pour l'instant, il est réussi. Oui, il charge bien la barre, mais c'est très risqué. Ensuite, activation. Si, Drax. Bien. Miti. Oh là là. Ça n'a pas marché. Oh le sweep! Sécurité. C'est un match point. Un match point, ma pradouche. Bien exécuté, bravo, allez. D'abord, on est au sixième point, donc il est temps d'annoncer la première phase de giveaway. Donc, ladies and gentlemen, blati rendez le dossier officiel, blati promaire. Promaire, dossier rendez officiel. Ladies and gentlemen, comme je suis un ladies man à neuf le shop, un plaisir de les avoir. La première phase de giveaway, je vais vous dire d'abord, donc il y aura deux phases de giveaway dans cet événement. Donc, la première phase va être un giveaway d'une carte de 6 et 20 dollars. Tout ce que vous avez à faire, c'est de taper un le chat. Bien sûr, à la fin du coup, un tirage au sort pour annoncer les gagnants. Voilà, dès que ça saute, un, tapez un le chat. Donc, je vous dis que ça, qui est le gagnant. Tapez un. Le chiffre, ouais. Le chiffre 1. Yalla, ça saute. Yalla. Come on, guys. تحبوش تربحو 20 دولار يلا تابيو اي من خصت نربحوها صاحبي سير تابيو انا راح نطابيو والله دوك راح نطابيو انا بون شكون راح يرمبلاسي كليماكس شكون راح يرمبلاسي فريزر كونتر كايكس بيان سور لا ديسيزيون روفيان او كابيتان اللي هو فريزر شكون غادي يختار كوم بروشان جوور كابيتان في ان رايتو الكابيتان في ان رايتو نورمالمون نو سي فوالا جو مي سو ترومبي في ان رايتو سي لا ديسيزيون روفيان في ان رايتو شكون اللي غادي يختار واش راسو هو نيت هيمسيلف ولا غادي ياخذ دارك سورد ولا اجدو انا جو دي كونسي شوزير اجدو بور لانستون باسكو اجدو باقا لي اون سول في سكي في خليه بور لانستون سي ترو ريسكي بور لوي واخا كاين ديك لوبسيون ديال ريزوركشن سا ريست ريسكي و اون رابيل بلي كاين دو جوار ماروكان عندهم قاتلهم اون سول في فريزر و اجدو بروبليم اون سول في وي Donc, entre Dark Sword ou. Chaud, c'est chaud. Non, Dark Sword devient Raito. Voilà, Dark Sword devient Raito. Après, c'est un choix stratégique. Il peut diriger H2, il prend le risque avec sa dernière vie, peut-être que je tape. Donc, c'est des stratégies. C'est une stratégie, c'est tout simple.
on va pas tarder à annoncer le premier vainqueur de la carte Steam $20. On va voir d'abord. On va voir le tirage au sort. Je vais vous annoncer. Je vais vous faire l'aise là. Abattez le nom de le tirer au sort. On va voir la voix de Mickey. Ah, ça fait parfait. Mzian, on va voir le Mickey. On va voir la régie. On a le nom du vainqueur. Mesdames et messieurs, bon, on se n'arrête parce qu'on a mal écrit. Yalla, Ahmed, je te laisse. Je vous annonce le gagnant de ce premier. On l'a pas le Donald. Donald. Drari, c'est fini, c'est fini. Ne tapez plus, c'est fini. Ça y est, ne tapez plus un parce que classe, on a tiré au sort le gars. Ça y est. Ahmed, yalla, come on, Ahmed. Ahmed, yalla. Fais-moi tout. واحد ما فهم. Le gagnant c'est Grande 75. Oh. Bien. Donc mbrok عليك خويا Grande 75. Grande 75. صحه وراحه. Carte Steam $20. Ouais, صحه وراحه. شري بها السكين تاع تشونلي الا كنتي كتلعب تشونلي خذ لي سكين ديال تشونلي راح يزيدوا يخرجوا لي سكين جدد بون يلاه يا جماعه غادي تريسيفوار طون كود في ميساج بريفي غادي يصيفطوا لك الكود ديالك في ميساج بريفي وقلنا اذا وصل لك الكود قلنا اذا وصل لك ولا ما وصلش اكزاكتلي Bon, voilà, je vais vous donner un récapitulatif du score. Alors, pour l'instant, Maroc 3, Algérie 6. C'est le score actuel. Aridoun, il a eu un winning streak de 3 matchs, 3 victoires. Idriss, il a eu 2 victoires. Chine SDK, 0 victoire. EKX, pour l'instant, un 2 Faouz 1. Pour l'équipe du Maroc. Oui, Erdogan. D'accord. Ok, ça marche. C'est là, Ahmed, comment tu as pause. D'accord, ok. Après. Très bien, pause 5 minutes après. Donc, qui m'a rappelé comme le Maroc, avec une tarak, on va peut-être commenter tout ce qui s'est passé avec l'équipe marocaine, on a quand même l'équipe algérienne. Parfait, donc récapitulatif, donc Kif Machito, chers amis, qu'on a des matchs de très bonne qualité. Tous les joueurs, Koulom, ils ont perdu une vie, à l'exception de Agito. Friseur, ils ont sacrifié deux vies, donc Pratleum une vie, c'est un peu risqué pour eux. Je vous parle ensuite de la stratégie appliquée par le capitaine Diallo, je voulais être Echtar comme prochain joueur, mais en général, très bien joué de la part des deux équipes, l'Algérie ou le Maroc. On a eu vraiment un malin plaisir de faire partie de cet événement. Vraiment, Canada Xis win, des matchs de très bonne qualité, des fautes certes, mais vraiment des chicken minimales, même quand je faisais des fautes, des décisions de faux qui ont été prises durant les matchs. Binouneb et Nedrel, vraiment, ils sont des vrais pros. Et Mbrok, ils ont joué de leur part. Donc, Drel, pour l'instant, on va faire une petite pause de 5 minutes et on reprendra juste après. Et pour moi, on va enchaîner avec les phases. Et ça va enchaîner avec les phases. Et ça va enchaîner avec les phases. Ciao, ciao. Ciao. I can feel it coming over me. I feel it all around me. I've been waiting for this moment all my life.
my spirit. Hey, nothing can break my spirit is too strong. Indestructible, nobody's taking over my throne. Much of my situation, no making do it alone. Feel from the ground up inside out, so I last long. The last man standing on the planet going wild. No rather meet adversity, making it excel. Cause never no emergency trouble, I just smile. Don't even bother hurting me, feelings is in the clouds. Too hard for me to reach if I could, and with it matter. No helicopter plane or some new infinity ladder. I was born a conquer pain, I'm on point with it like a dagger. I feel no hardship if it's there on top of my platter. So many times I heard danger loud as a bell. Kept on the ground telling myself that I can't fail. The problem like my spirit is powerful, not frail. It's all of me, can't break it, I'm loving it, oh yeah. Nothing's impossible. Nothing is impossible. If you win.